Kasi ya mikono ya kobwana e.
Papa Elia, le Dieu d'Elie. Kasi ya mikono ya kobwana e. Una kama wewe bwana. Una inuliwa juu ya mataifa yote Yesu. Kazi ya mikono yako Bwana e. Una kama wewe Bwana. Una kama wewe Bwana. Natambua kuna wewe. Kazi ya mikono yako Bwana e. Bwana e. Una kama wewe Bwana. Hata wanyama wa pori wanakutambua Bwana. Salamu. Mkono yako Bwana e. Kama wewe Bwana. Ninatambua kuna kama wewe. Ale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 . Kama wewe Bwana. Bikelekele, bikelekele. Célèbre le sang de Jésus. Célèbre le nom de Jésus. Nikiangalia kazi ya msalaba, mimi natambua kuna Mungu kama wewe. Ale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 . Ale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 . Alelelelelelelele. Alléluia. Alléluia. Oh, Satan Zakolenga, quand tu entres avec cette attitude de louange, tu fais trembler les diables parce que la louange et l'adoration brisent des chaînes, pousse encore des cris de joie. Je ne vous vois pas. Oh yes. Oh yes. Je ne vous vois pas dans le WhatsApp. Pour remplir les paniers de WhatsApp avec des cris de joie. Les diables tremblent quand tu entres dans l'attitude de la louange, dans la présence de Dieu. Tu désarmes le diable, tu désarmes les ennemis de la repentance. Parce qu'ils attendaient que tu pleures, ils attendaient que tu dises de n'importe quoi. Oh, pousse des cris de joie. Allé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 l
Avec Maxime, ils ont invité les puissants prophètes de Dieu en Hollande. Et le puissant prophète de Dieu, Docteur David, a dit, je n'irai pas seul. Appelez-moi les Banza. Et Bishop Stanley a dit dans ses rêves-là, il a vu papa, je suis Bishop Nathaniel Banza et moi, on a accompagné les puissants prophètes de Dieu au palais royal ici, chez Willem Alexandra et Maxima. Je célèbre parce que je sais que bientôt aussi, le président Tshisekedi avec Maman Denise, ils vont inviter les puissants prophètes de Dieu au Congo démocratique et nous serons là pour aller bénir notre pays. Je célèbre parce que je sais que le prince Philippe en Belgique aussi, il va inviter les puissants prophètes de Dieu parce qu'il va arriver à un moment où Poutine va bombarder. Tous, ils vont se tourner vers Dieu. Tous, ils vont chercher. Il y avait un prophète qui avait annoncé ces choses. Et c'est là où il y aura les grands réveils. C'est là où il y aura les grands réveils. Moi, je célèbre. Moi, je vois loin. Je vois loin. L'église de Bruxelles, l'église de Paris, l'église de la Hollande, Ebenezer dans sa ministrie est très grande devant la présence de Dieu parce que nous avons reçu le message de la repentance et sanctification. Nous avons reçu ce message. C'est pourquoi moi je célèbre, pousse des cris de joie. L'Éternel est Dieu que nous prions. Il est le propriétaire de la terre. Il peut remplir l'église en une seconde. Il peut remplir l'église en une minute. Pousse des cris de joie. Parce que Zambazo Mema Bisolikolo. Zambazo Mema a memi message à repentance Likolo. Et comme il y a ma présidente, vous organisez Miloulou Namboka. Pousse des cris de joie. Oh, Zolangon Tsungunayo. Allez. Oh, ça ne sera pas. Oh, nous allons chercher la salle. Oh, nous allons chercher à louer les instruments. Non! Ça sera financé par des présidents de la République. Oh, c'est pourquoi la chanson veut dire, quand je vois les œuvres de tes mains, je crois. Et je célèbre qu'il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Même les animaux de la forêt, ils te lèvent, ils te louent. Cette chanson-là, Niki Yangali Akazi ya Mikonoyako, Niki Yangali Akazi ya Musalaba, quand je vois l'œuvre de la croix, je dis qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Pousse des cris de joie, parce que Mambo inabadilika. Les choses ont changé. Moi, je ne veux pas rester en dehors de cette visitation. C'est pourquoi je viens avec beaucoup de feu. Je viens avec beaucoup de feu pour célébrer. Pour célébrer. L'Éternel Dieu est en train d'honorer ceux qui ont honoré Dieu. Si toi, tu ne bois pas le sang humain. Si toi, tu ne pars pas dans le monde de la sorcellerie. Si toi, tu ne sors pas dans ton corps. Sache que le temps est arrivé avant l'enlèvement de l'Église. L'Éternel et Dieu honore ceux qui l'ont honoré. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Tu ne resteras plus le même. Tu ne resteras plus le même. Allez. Oh my God. Laisse-moi remettre encore cette chanson. Nous poussons des cris de joie en chantant. Niki Angali Akazi Yamikono Yako. Inatambu Akuna Mungu Kama Wewe. Allez. Pousse des cris de joie. Hey!
Laisse-moi me mettre debout. Laisse-moi me mettre debout. Oh, mets-toi debout. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Les autres sont Kunaya. Kuna kama wewe Bwana.
Alléluia. Oh my God. Oh my God. Noye bate. Nateya. Na dirige prière. Tona fungo la téléphone pour la célébration. Je sais pas. Je prêche. J'enseigne. Ou je dirige la prière. Ou j'ouvre le téléphone pour la célébration. J'ouvre le téléphone pour la célébration. Nous allons célébrer la Pâque de l'Éternel. Ce que Dieu a fait pendant la Pâque à Amsterdam. Ce que Dieu a fait à Venezuela, à Caracas. Téléphone pour célébrer la parole de Dieu, les miracles de Dieu. Téléphone, nous donnons ce midi spécial à la célébration. Téléphone, téléphone. Téléphone, téléphone. À l'entretemps, nous ouvrons la Bible. Dans Ésaïe chapitre 44. OK, laissez-moi recevoir l'homme de Dieu. Shalom, shalom, Bishop Stanley. Shalom, shalom, Seigneur, chez Bishop Mamireal. Je bénis Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qui nous fait la grâce que ce midi, nous puissions vraiment être dans la célébration. Oui, ce midi, ça mérite la célébration. Je vais commencer par la Pâque. Nous qui avions suivi en ligne, Seigneur Jean-Mirais, c'est vraiment une Pâque spéciale quand je voyais des gens avec leur famille. Parfois, les mamans venaient seules, mais quand j'ai vu la servante de Dieu, Maman Vivalda, venir avec son mari Amen. Et son enfant, j'ai dit, waouh, le Dieu vraiment qui vous avait donné Exode 12 pendant la semaine avant la célébration a réalisé cette parole en pratique parce qu'on a vu un papa qui ne venait plus venir et même mobiliser les autres papas. Oui. Et là, la servante de Dieu, Maman Patricia, venir avec son mari et tous les enfants. Amen. Et ses parents étaient là. Papa, Pasteur Patrick, avec son épouse et les enfants. J'ai dit, waouh! Oui. Cette célébration de la Pâque était spéciale. Réellement, le diable a échoué. Alléluia. Le diable vraiment a échoué parce que vous rappelez que vous aviez rêvé qu'il y avait l'esprit de mort. Oui. Qu'il y avait la mort qui nous menaçait. Oui. Mais voir là où le diable voulait la mort, ce jour-là, on a célébré la résurrection, on a célébré la gloire de la résurrection. Alléluia. Avec des miracles palpables. Oui. Je vous dis que Dieu soit loué, que Exode chapitre 12 était vraiment réalisé et que Jésus-Christ a gagné ce jour-là, a manifesté la puissance de la résurrection à travers cette Pâque spéciale. Amen. J'ai vu, Seigneur Chibichon, vous n'avez même pas mobilisé les gens parce que vous étiez occupé avec Menengai 6. Oui. Mais voir d'après Menenga ici, sans mobiliser les gens comme vous aimez mobiliser, mais Dieu a rempli la salle. Alléluia. Dieu a fait même que des gens qu'on ne pensait pas venir, qui viennent. Oui. J'ai vu quand on met en priorité la parole de Dieu, quand on met en priorité l'obéissance de Dieu, les autres auraient pu dire, non, j'ai un grand événement à Amsterdam, laisse-moi d'abord préparer cet événement. Mais vous avez mis en priorité, comme Joseph d'Arimathée, vous avez pris d'abord un billet cher, vous avez même dû d'abord changer le billet avec votre époux pour rester un petit peu parce que le puissant prophète de Dieu vous avait demandé de rester. Oui. Vous avez payé cher pour cela, mais regarde comment Dieu rémunère. Alléluia. Comment Dieu il s'est rémunéré comme il avait rémunéré Joseph d'Arimathée. Vraiment que Dieu soit loué, Dieu soit glorifié pour ce qu'il a fait. Amen. Et je vois combien Dieu honore ce qu'il honore. Amen. Quand j'ai vu le puissant prophète de Dieu, je ne voyais même pas encore cette vidéo, je viens de la regarder. Comment même à la télévision nationale, oui, il est en train de mobiliser les hommes et les femmes, oui, au Venezuela pour qu'ils aillent dans ce grand service qui va se passer à Bolivar. J'ai dit, le Dieu que nous servons est un Dieu de la repentance, de la sanctification. Comme vous dites, les langues robes,
et Futaka. Amen. Qui aurait pu imaginer que le président d'un grand pays, ce n'est pas n'importe quel pays, Seigneur, je suis comme le puissant prophète de Dieu l'a dit, oui. Le Venezuela a le pétrole sous ses pieds. Ils ont tout pour réussir. Ils n'ont même pas, ils pourraient dire, je n'ai pas besoin de cet évangile, mais ils ont honoré le puissant prophète de Dieu. Ils ont disponibilisé tous les moyens pour que le puissant prophète de Dieu soit à l'aise, oui. Et puisse ministrer avec une grande parole, l'évangile éternel. Ça m'a marqué, comme il a dit, dans le monde entier, j'ai jamais vu un pays où les habitants sont en un cœur bon. Parce qu'il a dit que les Kenyans sont plus durs que les Vénézuéliens. Il a dit le grand réveil qui arrive au Venezuela est très grand. Mmh. Et quand je vois que même le président s'est humilié, oui. Et c'est lui qui a... Seigneur, je ne sais pas si vous avez vu dans son Facebook et dans son Instagram, le président lui-même, il a dit que il est le leader de toutes les églises évangéliques du monde entier. Donc pour lui, le prophète Ouah, il est celui qui dirige toutes les églises évangéliques du monde entier et que c'est pour cela qu'il a reçu. J'ai dit quel président. Et puis laissez-moi entrecouper s'il vous plaît, Bishop Stanley. Quand le président a reçu le puissant prophète de Dieu, la manière dont il est salué, tu peux voir l'humilité dans cette salutation. Exactement. Et hier quand je suivais vers la fin, j'ai vu les pasteurs vénézuéliens en train de pleurer. Oui. Ils étaient tellement touchés de la parole de Dieu. Oui. J'ai dit, ce peuple appartient à l'Éternel. Ce peuple a un cœur humble. Quand je vois combien nous, les Africains, nous sommes arrogants envers les puissants prophètes de Dieu. Oui. Comment on les contredit? Comment on les corrige? Oui. Mais cependant, nous avions bénéficié des guérisons, des restaurations, de beaucoup de choses. Beaucoup de choses, même le jetel avant, il payait pour nous quand nous partions au Kenya. Oui, oui. Pendant dizaines d'années, pendant une décennie, le puissant prophète a payé les billets, les hôtels de plusieurs personnes. Amen. Mais ils n'ont pas eu l'humilité que les gens de Venezuela ont manifesté. Amen. Et c'est pour cela que Dieu a guéri beaucoup de gens. J'ai vu même, c'était terrible de voir combien... Les gens étaient en train d'être guéris, touchés partout, jusqu'à ce que la sécurité a dû les chasser parce qu'ils ne pouvaient plus contrôler. C'était tellement trop. Mais de voir, c'est dans la grande ville, Seigneur, Jean-Mireille, Caracas, c'est la capitale. Normalement, même au Kenya, c'est plus à Nakuru. Mais regarde combien Dieu a élevé son prophète dans la grande ville, dans la capitale moderne. Et on avait même mis les grands bâtiments là, on avait mis des signes de drapeau pour montrer qu'on a élevé comme un président. Quand ils faisaient les lumières, voir le gouverneur, le maire de la ville viennent eux-mêmes dans le service de guérison, s'humilier avec toutes leurs occupations, s'humilier et venir, j'ai dit waouh. Mais nous, quand on nous demande même juste d'aller à l'église, on a même des façons de réagir qui sont arrogantes. Oui. Mais de voir que eux-mêmes, ils ont accueilli le prophète de Dieu depuis l'aéroport, ils l'accompagnent, j'ai dit waouh. Oui. Ils savent vraiment, ils ne connaissent pas la parole de Dieu de la façon que nous la connaissons depuis l'Afrique. Comme vous l'aviez dit hier, Seigneur, je suis chaud, Mireille. Oui. Nous devrions même exploser l'évangile parce que nous la connaissions depuis l'Afrique. C'est ça. Mais de voir qu'eux, ils ne connaissent pas l'évangile. Ils sont des catholiques d'origine. Oui. Ils sont en train d'apprendre depuis le puissant prophète de Dieu. Mais regarde comment ils reçoivent avec un cœur ouvert, avec un cœur glorieux de voir. Ils ont pas, Seigneur, je suis chaud, Mireille. Hier, c'était. Pendant le jour, c'est un mardi, c'est une journée de travail. Mais regarde comment ils ont rempli la salle. Wow. Combien ils sont restés 4 heures de temps assis à écouter un prophète de Dieu le jour du travail. C'est-à-dire que la plupart ont pris congé. La plupart se sont sacrifiés parce qu'on a les mêmes heures au Canada. Mais moi, j'ai dû regarder ça après le travail. Mais eux, ils ont sacrifié leurs emplois. Ils ont sacrifié, ils avaient même leurs enfants. Donc, leurs enfants qui devaient même aller à l'école, ils venaient. Je voyais d'autres après-midi, ils venaient parce qu'ils finissaient l'école. J'ai dit, waouh, quel peuple qui connaissent réellement à saisir la visitation de Dieu. Exactement. Comme les autres peuples ne veulent pas saisir. Mais Dieu est en train de lui donner l'Amérique latine. Vraiment, que Dieu soit loué. Et
Et je finis par cette parole que lui-même, il a parlé le lundi quand il disait qu'il y avait beaucoup de bergers qui attendaient le retour du Messie. Oui. Mais seulement les bergers qui ne dormaient pas. Ceux qui ont reçu la nouvelle dans Luc chapitre 2 à partir du verset 10, que Jésus était né à Bethléem. Mais les autres bergers, comme ils dormaient, ils n'ont pas pu saisir cette bonne nouvelle. Ils n'ont pas pu saisir cette visitation. Beaucoup de peuples ont reçu le prophète. Seigneur, je me rappelle, ici en 2011, on a reçu le prophète au Canada. Mais regarde comment le Canada dort. Mais seulement le Venezuela. Ils ont reçu le prophète il y a 10 ans. Mais regarde 10 ans après, c'est le président lui-même. C'est-à-dire, il y a un travail qui a été fait jusqu'à ce que le président lui-même l'invite, l'honore, parce qu'il y a des bergers qui ont saisi la nouvelle et ont continué à pouvoir planter jusqu'à ce que la prochaine fois que le prophète vient 10 ans après, le président lui-même le reçoive avec tout honneur. J'ai dit que Dieu nous aide à être comme ces bergers qui ne dormaient pas. Mais quand Jésus, les anges sont venus leur annoncer que Jésus était né, ils étaient éveillés. Ils étaient là à 4h30 du matin, à midi, à 16h, à 20h. Ils n'étaient pas dans la distraction. Que Dieu nous aide à être ces bergers et bergères qui sont en tout temps vigilantes pour que quand Jésus viendra, nous soyons ceux qui vont pouvoir partir avec lui le jour de l'enlèvement. Alléluia. Gloire à Dieu. Bishop Stanley, tu avais vu ces choses. Dieu t'a montré ses rêves. Je vais dire, ça va faire 10 ans passés maintenant. J'avais oublié même. Oui, 10 ans passés ou 8 ans. Je me rappelle que j'avais eu l'opportunité à l'époque de dîner ensemble avec le puissant prophète de Dieu. Signor Bishop Mathiari était là. Bishop Wangoy était là, Moutoni qui est parti était là, et la sécurité des puissants prophètes, Onjor était là dans ces dîners-là. Et j'ai dit au puissant prophète, notre fils de Canada a fait un rêve. Il a fait un rêve, il a rêvé que vous étiez invité en Hollande par le prince Willem Alexandra et sa femme Maxima. Et vous nous avez fait venir, Archibishop Nathanael Banza et moi, pour vous accompagner. Et je me rappelle, nous étions à table en train de manger avec mon pauvre anglais, mon pauvre Swahil, quand j'expliquais les rêves. L'homme de Dieu a rigolé. Il a rigolé à tel point que les choses qui étaient dans sa bouche se sont sorties. Il a dit, les rêves. Donc, c'était une façon de bon, il a sa façon de voir les choses, mais sa ceinture-là connaît ses rêves. Amen. Et voici aujourd'hui le premier président qui est fier même de le recevoir devant les médias. Là, c'est les choses montent maintenant plus haut. Amen. Comme cette glorieuse prédication que tu viens de nous donner, que l'homme de Dieu a prêché, les anges, c'est dans Luc chapitre 2, à partir du verset 8. C'est ça que je suis là. Luc chapitre 2, à partir du verset 8. Il y avait dans cette même contrée de bergers qui paissaient dans les champs le veille de la nuit pour garder leur troupeau. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange
une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et y trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disait le berger. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Bien-aimés, nous qui tenons les églises à Amsterdam, nous avons des bergers. À Bruxelles, nous avons des bergers dans l'église de Bruxelles. À Paris, nous avons des bergers dans l'église de Paris. Dans le banlieue de Stuttgart, nous avons des bergers qui gardent l'église là-bas. Au Texas, nous avons des bergers qui gardent l'église de Texas. À Ottawa, là où vous êtes, Bishop Stanley et Signor Pasteur Alice. En Grande-Bretagne, à UK, nous avons des bergers. Ce berger ici de 2000 ans passés, il ne dormait pas. Au milieu de la nuit, ils étaient en train de paître les brebis. Ils étaient en train de travailler. Vous savez, j'ai été béni, Bishop Stanley, parmi l'une des études bibliques au Kenya. Les prophètes de Dieu, il nous a bénis avec une documentation concernant ce berger. Si tu vas aller lire dans les commentaires bibliques, ce berger, ils étaient des Lévi. Oui, oui, il a même prêché ça au Kenya en public. Voilà. Le brebis là, qu'ils étaient en train de paître, hein, c'était des brebis qu'on amenait à Jérusalem dans les temples pour immoler, pour demander pardon à Dieu pour le péché du peuple. Mm-hmm. Donc, ils jouaient un grand rôle. Et le travail de berger, ce n'est pas petite chose. Amen. Tous tes habits auront l'odeur de brebis. Mm-hmm. Tous tes habits de la tête aux pieds, tu auras la mauvaise odeur des caca de brebis. Mm-hmm. Ça dit beaucoup. Amen. Oui. Malgré le dur travail que le berger faisait, il ne dormait pas. Avec un petit salaire. Avec un petit salaire. C'est la raison pour laquelle les agriculteurs aujourd'hui de l'Europe sont en grève. Oui. Parce que eux, ils travaillent beaucoup. Les éleveurs, ils fournissent la marchandise dans des supermarchés. Et les supermarchés en bénéficient, ils mettent les prix élevés, cependant qu'eux, ils ont un petit salaire. Mmh. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais les Lévis même n'avaient pas vraiment les salaires. Ils vivaient des offrandes. Ils dormaient à l'extérieur. Ils dormaient à l'extérieur. Ça doit nous enseigner ce que l'Éternel Dieu est en train de faire dans l'Église aujourd'hui. Comme et ils ne dormaient pas,
Personne ne savait que le sauveur de l'humanité est né. L'Éternel Dieu a envoyé les anges pour aller informer les bergers qui étaient en train de veiller sur le brebis. Ils étaient en train de travailler de tout leur cœur. Ils étaient informés en premier sur cette terre, sur la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Implanter l'église, ce n'est pas facile au Canada, aux États-Unis, à Bruxelles, à Paris, en Allemagne, en Grande-Bretagne. Implanter l'église, surtout de ce message de la repentance et sanctification. Amen. Regarde cette maman-là. Elle est là. Hier, elle m'a écrit qu'elle est là-bas à Ottawa. Je n'ai pas répondu. L'église est là à Ottawa. Elle habite à Ottawa. On lui a dit, va prier dans l'église d'Ottawa. Elle dit que non, moi j'ai besoin seulement de maman Mireille. Parce que dans le passé, maman Mireille avait prié pour moi et j'avais vu la main de Dieu. Là encore, je suis dans le besoin. J'ai seulement besoin que maman Mireille prie pour moi pour que je puisse trouver la solution de ce problème. Et puis, elle dit, je n'ai pas besoin d'aller à l'église d'Ottawa. J'ai seulement besoin que maman Mireille prie pour moi. Si c'est la même maman, elle est maman pasteur. Hein? Et puis, ils sont à Calgary. Il faut prendre l'avion pour aller là-bas. Oh, elle n'est pas à Ottawa? Non. Et j'ai dû même lui expliquer les heures. Ils ont 2 heures en arrière de chez nous. Elle est à Calgary. Oh, je ne sais pas. Là, c'est une autre maman. Mais la maman dont moi je parle, elle habite à Ottawa. OK. Oui. Mais on va voir ça même après. Mais, anyway, regarde comment l'implantation de l'église n'est pas facile. Oh, nous avons une femme ici à Bruxelles. Je voyais le numéro de Bruxelles qui m'appelait. Nous étions avec papa Archbishop. J'ai dit, elle m'a écrit, j'ai besoin de la prière, c'est urgent. J'ai dit à papa Archbishop, probablement cette femme habite à Bruxelles. Effectivement, comme elle n'arrivait pas à me joindre, elle habite à Bruxelles. Mais on ne la voit pas physiquement dans l'église. Je veux nous encourager, nous tous. Amen. Que nous soyons comme ce berger. Amen. Et j'attache ça avec ce que Dieu est en train de faire dans la vie du puissant prophète de Dieu, docteur David Ward, présentement. Amen. Moi, ça m'encourage. Comment, depuis 2008, j'ai vu comment il a souffert pour nous faire comprendre ce message. Amen. Il crie, il se fâche. Il crie, il est tout en colère permanente. Pour nous faire comprendre que Dieu, ce n'est pas de la blague. Dieu, ce n'est pas le désordre. Dieu, ce n'est pas la saleté. Amen. Il a engagé tout ce qu'on pouvait lui donner comme les offrandes. Il ne s'était pas acheté en diète privée. D'ailleurs, il était locataire pendant des années, mais il payait les hôtels de tout le monde. Mais regarde comment l'Éternel Dieu le récompense aujourd'hui. Mais jusqu'à maintenant, il paie encore notre transport hein, quand on est au Kenya. Exactement. L'église, là, on les loue parce que comme il y a beaucoup d'invités, on doit louer d'autres extra-bus. Exactement. Même le véhicule qui nous conduit dans son cortège, le minibus, la Mercedes, là, il loue ça dans la société des Mercedes. Oui, on m'avait dit. Oui. Il loue et les minibus et le chauffeur. Les chauffeurs, ouais. Quand tu loues les bus et le chauffeur, tu payes doublement. C'est ça. C'est pourquoi moi, quand j'ai l'opportunité de donner la dîme de dîme au nom de notre couple et au nom de l'Église, je donne ça là-bas. Amen. Regarde l'Éternel Dieu qui ne porte pas de lunettes. Ça doit nous encourager, nous tous. Amen. Malgré la souffrance d'implanter nos églises, ayons l'attitude de ces bergers.
Ils ne dormaient pas. Ils attendaient, vous savez, tout Israël attendait le Messie. Ils savaient qu'un jour le Messie naîtra selon ce que le prophète avait prophétisé. Amen. Et ils étaient en train de tenir ce travail-là dans leur cœur. Ils savaient qu'un jour le Messie viendra nous délivrer. Nous devons veiller. Dans Matthieu chapitre 25, le verset 13, comme j'ai encore Bishop Stanley, merci de venir, de laisser ton travail, de venir pour bénir les enfants de Dieu, pour venir contribuer avec cette grande contribution. Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui suivent le prophète, mais ils ne comprennent pas. Hein? Il y a beaucoup de gens qui suivent, là, ils ne comprennent pas. Quelqu'un m'a dit de Bruxelles, « Maman, chevêque, vous savez, quand le puissant prophète prêche, moi, je ne comprends pas. Mais quand vous venez nous faire les résumés, c'est là où je comprends. » Alors, c'est important ce que nous sommes en train de faire. Matthieu chapitre 25, le verset 12 à 13. « Mais il répondit, « Je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc !» Puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. Amen. Veillez donc. Nous devons veiller comme le berger là, à Bethléem, dans le banlieue de Bethléem. Qu'est-ce que cela signifie veiller? Dans Apocalypse chapitre 16, allons d'Apocalypse chapitre 16, Apocalypse c'est le dernier livre de la Bible. Tu n'as pas besoin de tourner des pages de Bible. Apocalypse chapitre 16, le verset 15. La Bible dit ceci. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ce vêtement, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il dit, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille. Et qui garde ce vêtement sur lui, afin qu'il ne soit pas dans la honte, qu'il ne soit pas nu. Qu'est-ce que cela signifie veiller? C'est-à-dire, nous devons marcher continuellement dans la crainte de Dieu. Nous devons continuellement, à chaque minute, à chaque seconde, nous sanctifier, nous séparer de la vie du péché, craindre Dieu, dans Jean chapitre 21, Jean chapitre 21, Jean chapitre 21, à partir de verset 6. Jean chapitre 21, l'évangile selon Jean chapitre 21, à partir de verset 6. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non, il leur dit, « Jetez les filets du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Verset 7. Alors les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement,
et sa ceinture quand il était nu et se jeta dans la mer. Bien-aimé, ici, c'est après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Simon-Pierre, il était en train de faire la pêche avec toute l'équipe. Mais Simon-Pierre était nu, tout nu. Il n'avait pas de vêtements. Qu'est-ce qui se passe? Comme le Seigneur Jésus-Christ était crucifié, bien qu'il leur a apparu, mais Simon-Pierre est retourné dans ses anciennes habitudes de la sorcellerie de faire la pêche tout nu. Et ils ont fait la pêche toute la nuit, ils n'ont rien trouvé. Le Seigneur Jésus-Christ leur a apparu. Il leur a dit, mes enfants, vous n'avez pas trouvé de poisson? Ils ont dit non. Mais ils ne savaient pas que celui, c'était le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ leur a dit, retournez encore. Jetez le filet de ce côté. Dès qu'ils ont jeté le filet, comme c'était par la parole du Seigneur Jésus-Christ, ils ont pris beaucoup de poissons. C'était même lourd de tirer le filet pour faire sortir des poissons. La Bible dit, les disciples que le Seigneur Jésus-Christ aimait beaucoup. Amen. Il a dit à Simon-Pierre, c'est le Seigneur. C'est seulement lui, Jean, qui avait compris que c'était le Seigneur. Que tu sois ces disciples-là que le Seigneur Jésus-Christ va aimer beaucoup, bien-aimé. Amen, amen, amen. Et pour que le Seigneur Jésus-Christ t'aime beaucoup, tu connais la clé. Tu dois veiller à chaque seconde. Tu ne dois pas t'acheter ta robe de mariée. C'est-à-dire ta vie doit être pure, remplie de l'obéissance de la parole de Dieu. La Bible dit, dès que Simon-Pierre, on lui a dit, c'est Jésus. Et il a regardé, la Bible dit, il a mis rapidement les vêtements, il a mis la ceinture, il s'est jeté dans l'eau. Il est allé se cacher dans l'eau. Parce qu'il était tout nu. Regarde! Le Seigneur Jésus-Christ s'est l'air apparu au moment où il ne s'y attendait pas. C'est comme ça que dans Apocalypse chapitre 16, le verset 15 nous dit, veillez à chaque minute, à chaque seconde, heureux celui qui garde les vêtements sur lui. Amen. Je vois beaucoup de décès, hein? Beaucoup de décès. Il y a une chanteuse au Congo RDC qui chantait à deux avec sa sœur. On les appelait les Kunda Sisters. Elles ont commencé à chanter. Moi, j'étais encore au Congo, très jeune. Très jeune. Mais l'une d'elles est décédée d'une courte maladie. 3 jours, elle ne se sentait pas bien. Elle est tombée, elle est morte. C'est un grand deuil dans le milieu congolais. Dans plusieurs églises, il y a le deuil. Mais quand je regardais sa photo avec de faux cheveux, avec de rouges en lèvres, aïe, avec de boucles d'oreilles, j'ai dit, oh pitié, elle est allée dans le lieu de tourment. Toute femme, toute personne qui meurt avec les objets du diable dans sa maison, sur son corps, ne verra pas son Créateur. Amen. Nous devons veiller, nous séparer, jeter les objets du diable, jeter les faux cheveux, changer notre accoutrement, parce que tu ne connais pas ni les jours de la mort, ni les jours de l'enlèvement de l'Église. Il n'y a que l'Éternel Dieu qui connaît les jours de la mort et les jours de l'enlèvement de l'Église. Comme nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 16.
la mort de l'homme riche et Lazare le pauvre. Tout homme est appelé un jour à quitter cette terre. Un jour, tu quitteras cette terre pour aller rendre compte au propriétaire des souffles de vie. C'est pourquoi, dans Ecclésiaste chapitre 11, le verset 3, quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Ce verset est capital. Quand les nuages sont pleins de pluie, le nuage que nous voyons ici, si tu lèves les yeux au travers de ta fenêtre, tu regardes au ciel, tu vois les nuages. Au-dessus des nuages, il y a l'eau. Quand l'eau là est remplie, c'est obligatoire que le nuage soit déchiré pour que l'eau là tombe sur la terre. L'eau là, c'est ce que nous appelons la pluie. C'est obligé. Ce verset nous dit, c'est la même chose avec un arbre. Si un arbre tombe au midi, c'est fini, il va rester là où il est tombé. S'il tombe au nord, c'est fini, il reste là où il est tombé au nord. Cet arbre-là, c'est toi et moi. Tu peux être en Afrique. Tu peux être en Europe, tu peux être aux États-Unis, tu peux être en Asie, en Océanie, là-bas en Australie. Tu es cet arbre-là, si la mort vient et que tu tombes, tu meurs, c'est fini. Si tu tombes dans l'état de la sainteté, tu entres au ciel. Tu vas rejoindre Lazare qui est au ciel dans les seins d'Abraham. Mais si la mort te trouve, tu tombes dans les lieux de tourment. C'est fini. C'est pour l'éternité. Tu restes dans les lieux de tourment pour l'éternité. Tu seras tourmenté par des démons pour l'éternité. C'est ce que le puissant prophète de Dieu est en train de nous prêcher. Quand l'homme riche était tourmenté par des démons, là-bas, dans les lieux de tourment, il n'a pas demandé qu'on les sorte dans les lieux de tourment. Il a demandé deux choses. Il a dit, si Lazare peut tremper les bouts de son doigt et jeter les gouttes d'eau dans ma langue, mais rafraîchir la langue, parce que ma langue est brûlée ici, au feu, je souffre. Et la deuxième des choses, il a dit, si on peut envoyer quelqu'un d'ici pour aller avertir mes cinq frères, j'ai encore cinq frères dans la maison de mon père. Les cinq frères-là, c'est les cinq continents que je viens d'énumérer ici. Pour lui, il a compris que c'est fini, il ne pourra plus sortir de là. Bien-aimé, quiconque meurt avec les objets du diable sur son corps, même s'il avait reçu le Seigneur Jésus-Christ dans son cœur, à cause des objets du diable qui sont sur son corps, il ne verra pas son Créateur. Veillez! Heureux celui qui veille et qui garde ce vêtement sur lui, afin qu'il ne soit pas surpris. Enfin, qu'il ne soit pas dans la honte. Merci beaucoup, Bishop Stanley. Un mot de la fin, je vous remets la parole. Merci, Seigneur Archibishop Amiré. Le mot de la fin, vraiment que Dieu nous aide, comme il a aidé Pierre après avoir vu le Messie, après avoir vraiment été converti, parce que ça fait la honte de voir que le disciple que Dieu aimait, qui
qui avait marché avec Jésus-Christ, qu'il avait même vu ressusciter, Seigneur, j'aimerais, parce qu'il a vu ressusciter Jésus dans sa gloire. Mais après tout cela, il est retourné, comme vous le dites, dans la sorcellerie. Il est retourné dans son travail de pécheur, mais pécheur nu. Mmh. Que Dieu nous aide à ne pas retourner dans nos péchés nus. Quand j'entends, Seigneur, des gens qui ont reçu l'évangile éternel, qui ont vu les miracles dans leur vie, mais qui retournent dans la nudité comme Pierre. Que Dieu nous aide à pouvoir réellement être des pierres converties qui vont même mourir pour Christ, pour que nous puissions porter ces corps glorieux comme Jésus-Christ, quand il avait porté ce corps glorieux, Seigneur Jean-Mireille, les gens qui l'avaient crucifié ne pouvaient plus le toucher. Ils n'avaient plus besoin de visa, de passeport. Ils n'avaient plus besoin de passer par les portes. Parce que quand les disciples étaient réunis, ils l'ont vu apparaître. Il n'a pas toqué la porte parce qu'il portait le corps glorieux. Amen. Que Dieu nous aide à nous focaliser sur le corps glorieux de 1 Jean chapitre 3, verset 2. De se focaliser sur ce corps glorieux, parce que ce corps que nous portons, comme vous aimez le dire, c'est une enveloppe. Il y a un jour à 120 ans et un jour, comme papa nous a parlé ce dimanche passé à Bruxelles, il va retourner dans la poussière. Mais que Dieu nous aide, que lorsque l'enlèvement va avoir lieu, nous puissions réellement porter ce corps qui n'aura plus besoin de mourir, qui n'aura plus besoin de cancer, parce que nous aurons tenu ferme et nous aurons veillé comme Pierre après avoir été converti. Amen. Merci beaucoup pour ces cris de joie. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, gloire à Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire à Dieu. Je récupère. Appelez, bien-aimés. Je suis en train de récupérer les 270 personnes qui me suivaient dans les TikTok. TikTok s'est déconnecté. Gloire soit rendue à notre Dieu. Ça donne une autre couleur orange. Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Téléphonez pour célébrer. Téléphonez pour célébrer. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Où sont les serviteurs de Dieu? Où sont les bergers? Vous êtes tous au travail. Téléphonez pour célébrer, téléphonez. Où sont les gens qui étaient à la Pâque? Pendant la Pâque, appelez pour célébrer. Est-ce que vous comprenez la parole de Dieu? Téléphonez. Téléphonez, je vous attends. Gloire à Dieu.
gloire soit rendue à notre Dieu. Shalom, shalom, sœur Céline. Shalom, shalom, maman Sonora, archibishop Mireille Adassa. Shalom, shalom, vous avez la parole. Amen, Mireille. Archibishop Mireille, pour la parole. Je vous en prie. Je voulais célébrer la Pâque. Je voulais célébrer l'agneau pascal. Amen. Je lui dis merci à notre Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il est en train de faire à travers son très puissant prophète. Et je le remercie pour l'Esprit Saint qu'il a envoyé après avoir laissé le Saint-Esprit de Dieu, qui nous permet de comprendre les choses qui arrivent. Et je le remercie pour les très puissants prophètes qu'il a mis sur vos chemins, là où il a crié pendant des années. Il a répété en criant, c'est ce que vous êtes en train de faire, vous, nos parents. Vous faites la même chose jusqu'au moment où nous comprenons les choses, où nos oreilles s'ouvrent grâce au Saint-Esprit de Dieu qui nous ouvre les oreilles. Et à un moment donné, là, les oreilles se débouchent, les yeux s'ouvrent, le cœur aussi. Et là, je lui dis merci, merci, merci. Je dis merci au Seigneur Jésus-Christ parce que comme il est dit dans Apocalypse 3:10, comme il est dit, parce que tu as gardé ma parole, la persévérance, et nous qui sommes là depuis des années, nous avons été persévérants et nous comprenons petit à petit les choses. Nous comprenons les choses par notre persévérance d'être resté dans cette bonne adresse, de comprendre et de mettre en pratique. Et je lui dis merci, je dis merci à Dieu le Père pour tant d'amour. Je dis merci au Seigneur Jésus-Christ pour tant d'amour et au Saint-Esprit de Dieu pour la bonne adresse et pour toutes les choses qu'il a prévues pour nous. Je lui rends toute la gloire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Soyez richement bénis, sœur Céline, pour votre célébration. Shalom, shalom. Amen. Shalom, shalom, maman Sonora, bishop Mireille Adassa. Shalom, merci. Shalom. Gloire à Dieu. Quelqu'un d'autre peut appeler pour célébrer? Shalom, shalom. Shalom, shalom, maman Niclette Kimpakala. Vous avez la parole. Merci beaucoup pour la parole. J'ai béni les. J'ai dit, bon, premièrement, merci au Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre, et Jésus-Christ, l'homme de Galilée, cher Saint-Esprit. Je m'excuse, maman, je ne vais pas parler trop haut, parce que je m'occupe de l'enfant, mais je voulais célébrer pour la Pâque, par rapport à la parole, quand j'avais parlé pour les deux jardins. Oui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que malgré on n'était pas là sur place, on avait suivi les jours suivants. J'ai suivi. Que Dieu vous bénisse, maman, parce que cette parole-là nous a bénis. Maintenant, je comprends. Je comprends. Parce que même si quand on était là, quand on était là en Israël, on est passé par cet jardin. Ça ne m'a pas vraiment attiré l'attention par rapport à ce que vous avez parlé au moment du Pâques. Là, vraiment, ça m'a attiré encore l'attention. Mon regret, c'était seulement que je n'avais pas de moyens et je n'avais pas de temps pour venir. Vraiment, que Dieu nous fasse grâce. Qu'on soit là, des choses comme ça, il faut les manger vraiment live, non de loin. Non de loin. Vraiment, soyez richement bénis. Et je célèbre aussi pour l'homme de Dieu, tout simple, pour faire de vivre, là où il fait un grand travail. On est toujours connectés à tout moment. Que Dieu nous fasse vraiment grâce par rapport à ce que l'homme de Dieu est en train de faire comme un grand service. Que Dieu nous fasse grâce qu'on ne tombe pas.
qu'on ne puisse pas commencer à regretter parce qu'on a tout écouté. Je ne sais pas comment dire. Quand je voyais la foule et quand j'ai vu le président hier, je disais ça à papa Claude. J'ai dit non, là c'est impossible. Là, c'est seulement la main de Dieu. Maintenant, là, c'est la main de Dieu. On peut dire de tout sauf rien. Là, c'est la main de Dieu. Personne, avec tous les gens comme ça, là, les gens prêchent. Je sais que les gens prêchent. Les gens peuvent dire que là, ils ont la parole. Moi, je n'ai pas vu la parole que le prophète David Ward a changé à parler de ce qui est là. Il est toujours dans la repentance, avec tout son humilité. Je ne sais pas quel genre de prophète dans ces moments ici, le président te reçoit. Quelqu'un peut changer les prédications. Quand il prêchait hier, je me suis dit, waouh, si dans cette salle-là de basket, c'était seulement des pasteurs, s'il sort de là, il retourne aller prêcher l'évangile des prospérités et vous serez bénis. Je ne sais pas. Parce que là, c'est préparé vraiment le retour de Messie. C'est pour les bergers. Oui, nous aussi, on est là. On est béni. On a bénéficié de notre part. Parce que ce n'est pas seulement les bergers qui seraient là. Parce que nous aussi, on a des familles, on a des amis. Moi, je ne sais pas. Ça dépend de chacun, chacune, chacun. Ça dépend de quelqu'un. Comment tu reçois la parole? Mais que Dieu vous bénisse, maman. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Parce que vous n'avez pas cet orgueil-là. Comment ça, papa, Seigneur Archbishop Nathanael Banda? Parce que ce que vous êtes en train de faire, beaucoup des églises ne voulons pas. Vous ne pouvez pas faire ça. Et laisser l'air brebis d'écouter la parole en source. Ils peuvent seulement vouloir que non, on puisse écouter chez vous, ce que je peux dire. Que vous avez déjà écouté, après vous allez nous expliquer, non. Mais vous laissez les brebis écouter dans la source. Maintenant, ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas votre problème parce que si quelqu'un dit que non, moi, je n'avais pas écouté, ça peut être quelqu'un dit il n'a pas compris quand les prophètes prêchaient. Là, on comprend. Parce que ça dépend. Si tu comprends le français, ça va. Si tu ne comprends pas, tu comprends l'anglais, ça va. D'autres temps, ça faisait comme si l'Internet, ça ne marchait pas. On peut comprendre. Mais si tu comprends l'anglais, tu pars dans les versions anglais, ça peut aussi vous aider pour comprendre en profondeur. Mais on a la traduction. On a la traduction en français avec Eric Pen Cameroun. Oui, mais ça, des fois, l'Internet, ça fait des lenteurs, ça vient vraiment trop lent. OK. Je ne sais pas. C'est que moi, j'ai remarqué depuis hier, c'était comme ça. OK. C'était comme ça. OK. Mais que Dieu nous fasse grâce parce que, je ne sais pas, maman, c'est vrai que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Là où je suis, Dieu m'a fait aussi grâce. Malgré que je suis à l'hôpital, mais on prend le temps avec ma phone, Glenn avec son iPad, comme il a l'Internet. Il sait tout. Quand tu lui dis de mettre ça, il sait, il va taper. Quand il va voir live, on est connecté. Que Dieu vraiment vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup. Merci toute la grande famille Ebenezer Adassa. Merci à commencer par papa, Seigneur Archbishop Nathanael Banda. J'ai dit un grand merci. Grand merci à toute l'Église. De tout mon cœur. Je présente tout. Vraiment merci, mes remerciements de ma part, de ma famille. Merci de nous porter à cœur. Que Dieu vous donne toujours la force. Que Dieu nous protège, nous tous. Qu'on ne fasse pas manquer l'enlèvement. Qu'on soit vraiment prêt et
vigilant, éveillé, qu'on ne retourne pas dans les choses qu'on a vomies. Que Dieu vous bénisse, Maman Seigneur Chibisho. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Je vois, on va recevoir Pasteur Rémi Tcholey. Merci beaucoup. Un élément parmi les choses importantes que Maman Nicole Kimpakala vient de partager, elle a dit, le puissant prophète de Dieu, Docteur David Douan, n'a pas changé de message. On a mis un jet privé à sa disposition. On lui a donné les cortèges présidentiels de militaires. On lui a donné la salle, la sonorisation gratuitement. Et c'est le président de la République qui fait la mobilisation pour que les Vénézuéliens puissent aller là-bas. Je ne sais pas si c'était toi qui m'écoutes, si tu allais encore condamner l'homosexualité amène en enfer. Parce que hier, nous avions écouté, il a prêché la même chose qu'il prêche au Kenya, la même chose qu'il a prêché à Caracas, la même chose qu'il a prêché maintenant à Preto. Comment c'est cette ville-là? Preto Daz. Preto Daz. Il n'a pas changé de message. Mais toi, des fois, on te donne seulement la dîme ici. On te donne seulement l'offrande. On te donne de petits dons seulement. Tu vas voir comment la personne va commencer à avoir du favoritisme envers la personne qui donne. Que cela nous enseigne. Parce que l'Éternel Dieu honore ceux qui l'honorent. Et moi, je suis très encouragée que le Saint-Esprit de Dieu, j'ai vu comment l'Éternel Dieu a entraîné son prophète pendant 20 ans avant de l'amener à ce niveau. Et je nous encourage, nous tous, à nous focaliser à l'enlèvement de l'Église parce que ça, ce sont des choses du monde. Ce sont des choses terrestres, ça passera. Cela doit nous connecter à l'enlèvement de l'Église, que c'est vrai, la récompense, la grande récompense arrive. Que nous irons au ciel et que nous ne devons pas changer de message. Retourner dans la nudité comme l'apôtre Simon-Pierre. Qu'on te mette dans les oasis, dans les fleuves, dans les lacs, dans l'océan, que tu restes le même devant la présence de Dieu. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ vous sanctifie, Maman Nicolette. Amen. Là où vous êtes hospitalisée avec Glenn à l'hôpital. L'hôpital, ce n'est pas l'adresse des enfants de Dieu. Que l'Éternel Dieu vous pardonne toute la famille. Que la miséricorde de Dieu descende dans votre vie et vous sort à l'hôpital avec l'enfant. Amen. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ vous guérisse vous-même qui êtes malade, votre mari est malade, votre maman est malade et les enfants sont malades. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ vous guérisse toute la maison. Amen. Que le sang de Jésus-Christ vous restaure de cette paralysie qui vous menace vous-même. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je le déclare, que la guérison entre dans votre maison. Je chasse cet esprit de mort que j'avais vu dans votre maison. Je les renvoie dans les lieux inhabités au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Je le reçois humblement au nom de Jésus-Christ. Amen. Poussez des cris de joie. Dis aussi à Glenn de pousser des cris de joie. Glenn. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Nous allons recevoir Pasteur Rémi Tcholey qui était la troisième personne.
Shalom, shalom, pasteur. Shalom, shalom, pasteur aimé. Merci. Pour le monde qui est maman, il est dans l'hôpital, il est dans Oui. On a célébré vraiment. Merci, maman, pour m'en prêter la parole. Shalom, shalom. Shalom. Quand il passe à Rémi, il est bien parti à Suède. Oui. Il est copain pour la Zambie, vraiment, pour la maman, il est dans la carte, il est dans la commission, il est dans la On a discuté qu'on a vraiment dans la population à partir de la vacune, dans la partie de la cimetière. C'est mon nom au centre, on a compris ça, nous, ma casse, avant c'est ma cimetière. Oui. Ma casse, vous avez besoin de jouer, on a besoin de la facilité, déjà, mon nom au centre, la zambé. Il y a pour conduire, bien non. Vraiment, il y a un cérébral, 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 il y a la puissance, quand on doit célébrer, il y a la puissance, nous sommes tous. Moi, je suis en distribution pour la Pâque, je suis en merci. Mais je suis en distribution pour la Pâque, 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 je suis en distribution pour la Les gens ne passent pas dans la vie, ils ont été glorieux vraiment. Au moins, je sens bien la bêtise, je me suis vraiment, tu es comme mon cas dans le ministère, mais c'est la danse. Oui. Il y a un moment où le ministère, moi, je suis combattu, mingi. Parce que ma victime, tout est quitté, maman, c'est dans le chef, au moins, hein. Oui. Tu es ma victime, je suis souté. Tu es comme moi, je suis dans le tombeau, la Yézou, ma sénée, je suis levé, ma client, la Yézou, ma sia. Oui. Je suis dans le pays, sa parole de Dieu. Valère, l'hypothèse existe en Jean de Valère. Ozomona. Oui. Moi, pas que j'ai acquis ma vie, tout j'ai acquis, mais vraiment, quand on a un dac, on a un super, ça fait mal différent, ma casse. C'est ça. J'ai qu'à constater à la fin, il a dit qu'il est bon à guérir avec les frères des mères ensemble. Et si vous êtes déjà ensemble, bon, à toi, prier en gros, ça a été que vous avez des mots au bon, vous avez déjà mouru déjà. Oui. Et ça, vraiment, quand on a différent, ma casse. Tout le monde a même mon cas quand on a la piscine de Bethesda. Avant d'être on a longtemps, mais après, vous avez cité. Et si ça, vous m'avez raison, on est allé, malgré tout, vous avez dit qu'il y a Hollande. Hollande, malgré tout, donc, il y a un monde qui a un monde qui a un monde qui a un monde qui a un monde possible maladie, vous trouvez ça normal, c'est à tout qui est hospital, à tout qui est sauf vite à voter. Mais la présence en Zambé, aux hommes, au moins, vous trouvez ça dans aux actes de la Congo, à plus pour qu'il y ait la haine, pour qu'il y ait des Sikaboy, pour faire l'opération, aux avions de Yéni. Aux hommes, aux avions de Yéni. Mais la vie est publique, il faut qu'il y ait la boca et telle boy. Oui. Donc, il y a des gens qui ont dit que c'est une femme pour la yo, pour qu'elle n'abaisse pas. Oh, mais attends, pasteur Aimé, merci pour nous comme mabis sur le camp Jacob. Oui, puis que déplacement, il y a l'Ancien Testament, que c'est un déplacement si quoi. Ah, mais c'est ça. Parce que Jacob a là qui n'a pas si. Ouais. A là qui n'a pas servante. A là qui n'a pas na. Oui, puis quand il y a aux gens en Andaku, papa Gédéon, Azana Bilamba, naye ba sapatu naye. Pasteur Aimé, Azana Bilamba, naye ba sapatu naye. Aristote, Azana Bilamba, naye ba sapatu naye. Mardoché, Azana Bilamba, naye ba sapatu naye. Rebecca, Azana Bilamba, naye ba sapatu naye, biloko naye a classe. Nathanael, Azana Bilamba, naye ba sapatu naye. J'irai au abotami lobi lobia. Azape na bilamba na yel basapatu na ye. Soki déménagement. Zamba ebi simino ke bolon wane ti Suède bo kende Bruxelles. Donc il faut ko kanga biloko ya moko na moko na moko na moko na moko. Et puis biloko inutile bo bwaka.
Ce n'est pas facile, il comme ça, même ce qui Jacob n'a lingi comment na yon à Bethel. Donc il fallait pas déménager. Yazaki na biloko na e, basi na e na biloko na bango, bana na biloko na bango, na ba meme, na ba servante. Baba nda voyage, to yebite so basa ki combien de temps nan zela. C'est ça, mon machin la chip shop. C'est ça. Pona koto sans zambe. C'est ça. Oui. Ozomona, netinga ita na uti Kenya, awa na zongi nga bi, oh. Siko vraiment na rokende Kenya kaka na décembre. Na bina ba kuturi o batika na bilamba kuna na romona bango kaka na décembre. Na mona lelo bishop Stanley atindelinga ndoto lobi mama na loti na mukuse il faut okende Kenya. Na loti ton prophète ako uta Brésil ba ko organiser milulu moko na Kenya. Lelo bishop Stanley atinelinga ndoto wana. Lobi sœur Patricia Misemba atinelinga pe ndoto kaka na même e langage. Na lobi oh, na ebisi papa bishop nga bitala ba ndoto mibale oh. Normalement nzoto ndenge na zabo eza ya kolemba misunya nzoto ezo swa. Donc, na ko kende Bruxelles ko conduire, na ko sala ménage, na ba multiple voyage à Kenya, nzoto eza na report. Na ko dirige 9 séances par semaine. Mais si ko nzamba zo senga nga lisusu, ndenge nga moko na lobaki ke nokeka na décembre te. Donc na kati kati awa et ko za suna milulu kuna, il ne faut pas na rater. Oh Seigneur. Nzamba sa lobelinga déjà na monoka Bishop Stanley et puis na monoka ya pasteur ya sœur Patricia. Donc l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Pour nani nzamba kokope sanga te biloko ya lingi kope sanga awa ta onaza en Hollande lingi kaka na sala sacrifice ya kufanda susu na avion ya kosomba susu tike oyebi keza pasi voyage za pasi. C'est ça maman c'est la chip shop. Oui. C'est ça. Mais nzamba lingi sacrifice wana tango sali yango. Nenge Isaac ebi saki Esau kende na zamba boma jibie yako lambela ngai soki na liende na kobenir yo na kopambola. Amen. Donc ezana ba niveau misusu ya benediction pour atteindre ango il faut o se déplacer comme physiquement na milulu. Amen. Alors un mot de la fin passé Rémi na moni sœur Patricia pas o insister awa. Avant de faire vraiment éducation malade, mais puis maman n'a pas encore le bac pour la puissance pour faire ta vie dehors. Oui. N'a pas voulu me zambé, maman, n'a pas voulu me zambé ma carte. Dès que maman a vu son écrit à autour le bac. Oui. Yango, maman, y'a mon tuyau, y'a un gars qui s'est dévoué en goût, la parole de Dieu. Oui. Maman, parce que vous avez vu les pressions pour faire ta vie dehors dans le rapport, maman, tu as vu ma pantalon, je vais me pousser. Oui. Mais j'ai vu ma terminée, mais ma terminée contaminée. Oui. Donc, si tu prophète Moussousou, tu vas mentionner à l'eau pour un bon goût. Yo, le prophète, pasteur, apôtre, à mon place, on a une offrande. À vous mentionner, à vous ajouter, à vous le bango, à vous les vrais prophètes, à vous quand ça vient au solo. Même à ça, il y a un exemple, mais il vient au solo, donc tout va faire ce espace, mon coup. Tellement dans la message, on a dit que le message, on a ma personne, on voit le roi, j'ai battu, on a dit que le roi, on a dit que le roi, on a dit que donc, qu'est-ce que c'est que c'est que tu viens à vraiment tout comprendre. Donc, on peut saisir vraiment qu'il y a la présence d'un message à repentance. Il y a un vraiment, il pas a pas de vraiment. Donc, il n'y a pas de continuer aux anabino, toujours, n'a pas de nom, c'est le en tout cas, moi, il y a un message, mon corps, il y a vraiment un or. Donc, il y a un angle de puissance pour faire David de Romain. Il y a un jour, il y a un Venezuela, il y a un autre, donc, je condamne et puis à côté de mon maman couple, ma vie à maman, j'ai une révélation. Vous venez de couple. Oui.
Parce que l'église Amsterdam, 120 femmes, bakendaki. Bakenei, papa, la bino, comment abiche, rose, bon, mélange, église. Batonion, so bazo, ben, ba bishop Solange, ba bishop Emmanuel, ba maman Caro. Mais bo, bouyebi sa papa, papa Banza, ape ki sa moua si nae, azo mon ate ke église est si kal vide. Ape ki sa moua si nae, moua si nae, zo bon, église. Passé Rémi, wana tozalaika na bata Hollande. Siko tala message à repentance et sanctification, nenge prophète atebi solo bia lobi, soko zote à la vraie grâce na chair. Et ko restaurer église. Amen. Tala lelo papa archibishop azote aka batolan dite mais a comment côté devant 5 continents en ligne. Amen. Je mon anini nzambe a honoré na ko banzambe a honoré ngai. Amen. Quand maman c'est archibishop, quand moi après moi je me suis malade dans ta dans ko kufa wa ta nzambe c'est ngai. Oui. Na hôpital na ça qui vino que donc, il n'y a rien à couper. Ça va vite à ramasser ce n'a pas couper. Mais le but d'un gars, c'est à cause de la naturelle. Non, couper, c'est. Oui. Oui. N'a coquille. 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 N'a Bébé azo ko salaka hôpital ndako ozo bel donc ozo mona ke bazo ben na yo na liwa makila na yesu pezo ben zo songiso na bon moyi. Amen. Mais ba o ba kufi wana ezaka ka 3 jours a maladie akeyi. Mususu kuta bela kite azala ki ne bien atelmi ka boya ko ya kufi akeyi. Na kati église, na kati église. Papa, je suis chaud pour que tu te rappelles, oh chérie. Au bout de ce n'est pas un peu de temps, maman Lisa, qui est équipée à la table. Au bout de ce n'est pas un papa, je suis chaud pour que tu te rappelles, Gabi, que c'est bon, mien, et bien, maman Lisa, na quatre églises. Maman Lisa, qui est équipée à quatre églises, tu vas nous célébrer célébration à Godlive. Célébration à Godlive, il y a qui est changé dans ma tanga. C'est ça. N'a contourné en bilan soana 7 fois. 7 fois na zo yemba ozane moyoani ozane moyoani onna mila moyoani moyo wa chendele ba pompier ba ye babi nam taza responsable nga bingai babi il faut okota to kende parce que azo la mkate pompier on est ngambe na mona ke ka lokola ange nzamba tindaki. Olande misu bleu atelinga boya yokelinga mawa atelina ne la lateki ba vese robi nanga mulai mukolana lateki robi nanga mulai aibi singa zela non libanda to mekali susu tango bango ba mekali susu ngana o contourner ambulance non contourner ambulance ba koki kakate ba biwa pikati identité na ebo pesa to enregistre to zo kenai. Ma koti na kadi d'identité na kati mame Elisa sekwi. Alléluia, lili. Ozo mona kolongola. Yes. Kolongola ba faux cheveux. Yangona tangu papa boke tu apesinga espace. Ngabi batoyo. Soki lelo ba yo kite ke faux cheveux mena na enfer ba yo ka soutien. Amen. Espace wana na mona kango anor. Amen.
Nabi, oh, il faut bateau bayoka que les faux cheveux amènent en enfer. Amen. Na kati anda kwana tozegi na misusu baute ki suisi, misusu baute ki suki wapi na wapi. Donc, il faut toza la ndengwana soki ozui espace pe sa message. Amen. Amen. Sinon nzamba kokanga ba porte. Sinon nzamba bando pe so sub espace ya kolba inutile oyo. Sinon na pe si espace a so pe sa message te. Nde yango no moninga na olanda. Modèle à puissant prophète war a changé un message te. Amen. A to pesie bambongo. A to bongi sele milulo toki. A garda kaka même message nzamba pesa ke na lola o eza na Bible. Amen. Oui. Alors un mot de la fin lisusu. Amen. Merci beaucoup, maman. Je suis dans ma femme pour la vie. Nous, maintenant, c'est bon. Mais vous avez des amis à date. Vous continuez toujours. Gana zo celebre parce que mungongo no siko ezongi eleki kute ezongi penza lokola batu na bon moi. Amen. Oh, Yesu. Yesu, Yesu, Yesu. Oh, lelo Rebecca, Mardoché, Rebecca, Nathanael, ba ozonga nanda kubakuti mama. Amen. Oh Yesu, merci. Au lobby aux autres qui sont dans le centre de réhabilitation, parce que l'action malin, malin, ben. Oh, si quand on a un belanzambe, tant au Kenda qui n'a, tant au Kenda qui n'a. Maman Viva, d'attica Robenga na téléphone ou na téléphone ou n'est pas connecté na Facebook. Naza na téléphone moko de moins. Il faut na somba téléphone mususu. Nazana trois téléphones na maboko, mais il faut nazana na quatre téléphones na maboko, il faut nazana cinq. Kaka téléphone ya 031 mutezo sala. Wana misusu ba Facebook eza connecté. Nangina lo babo est passé remé, excusez-nous les francophones, vous êtes un peu isolés mais c'est pas trop grave. Il y a des fois on doit bénir aussi les lingalophones. Tant tokei na na nakuru na menenga ici soto uti na seul wana place puissant prophète ateaki conférence à ba pasteur kuna na nakuru place wana telema ki beskali wana bané ko matande place nga na za ko fuka makosambela pona yo. Alléluia. Tant na za ki kuna na cour à théologie na seul wana ne to za sala cour à théologie. Amen. Tant na kota ki susu wana na tali presque trois mois on a sala ki kuna ezaki na ka ya passé remé ndoto na lota ki bishop Solange a koufi brusquement mutuke wute ki likolo kweile nzamba bikisie amen ce ki sou ka ya nani lisusu kuna ka ya mama Vivalda ka ya nani lisusu donc passé Patrick Malonga pe na zaki déjà kuna na cour à théologie hein. Wow! Si qu'on est à côté qui on a habi Dieu est fidèle. Amen. Nabi oh Yesu merci. Nati qui passait remé azo boko la bana nae azo diriger prière en ligne. Amen. Bando qui bo échoué. Yesu alongi. Bo bongo la mitema bando qui. Tala nenge bozo yesu. Bazo pola, bazo ndi mate. Wa Bishop Solange. Bazo pola, bazo ndi mate. Oh, tika nga na yemba nanu. Oh, so na zaki na troisième telephone de na tienze mbo wana. Metika na yemba ngo. Niki angalia kazi ya mikono ya kobwana. Nina tambu wakuna. Kama wewe bwana. Oh, lelo tozana na pasteur aimé, tozana mama Vivada, tozana pasteur Patrick, oui, c'est un cas grave. Amen. Oui, c'est un cas grave, au même hôpital à Sila qui m'a yele. Mais Yesu Masia mokolo pema. Yesu Masia longa satana na kwa na Golgotha. Azongi selibiso bandeko na biso. Alléluia.
Tikama kila na Yesu masi e bomba yo pasteur aimé bébé j'irai j'espère lobi ba fièvre si la ki parce que to prière ki makasi. Ah ici la ki ici la vie. Ezaki esprit de mort. Ezaki esprit de mort li sunange za kobeta. Yangwana toza lokola ba berger o ya Bible tozu victoire mais to kanga maboko te. Tozo célébrer mais toza pena mo panga tozo continuer ko bunda. Amen, amen. Si kama kila na Yesu masi eso panana kati anda kuna bino a travers celebration oyo. Amen. Makila na Yesu masi sécuriser bino butu pe moyi. Amen. Ba flèche nyonso moyini satanazo continue ko lancer bino ezonga a l'envoyeur à l'expéditeur na po ba yo kanenge sala kapasi na kombo na Yesu Christo. Amen, amen, amen. Amen, amen. Alili, merci, maman. Merci. Beta bien mon lolo, beta bien mon lolo. Parce que liboso bandaye ko beta cri ya kolela. Ah, maman si na si bishop. Pasi. L'invité sozo comprendre. Pasi. L'invité sozo comprendre. Moutazo sa la combien de journaliers étaient. Pasi. Oh beta sou mon lolo pona Yesu. Allé. Allé. Satanaï ba esengote. Oza victoire ya ba victoire nzamba pesi yo. Oui, Satanaza mabea kakolaksa makambo nzamba sali na nute po etoufe o nzamba sa sali. Amen. Oza ya munene po pema. Kaka nzambe nda koko pesa yo pema. Amen. Amen, 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 amen. Yeah. Amen. Gloire à Jésus. Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Tikato ambassadeur Patricia Misemba. Shalom, shalom, sœur Patricia, shalom. Je viens célébrer. Amen. J'élève l'Éternel, le Dieu le Père, le Créateur des cieux et de la terre. Amen. J'élève le Seigneur Jésus-Christ, lui qui a envoyé son puissant prophète au Venezuela pour apporter la parole, qui nous prépare nous tous au retour de Messie. J'élève le Saint-Esprit de Dieu qui nous donne la force de comprendre cela, qui n'est pas facile parce que, comme je vous l'avais dit, d'autres ne comprennent pas, mais si nous, on peut comprendre cela, c'est vraiment parce que le Saint-Esprit de Dieu nous fait comprendre cela. Amen. Et je bénis l'Éternel Dieu pour votre vie et la vie de notre papa aussi, Nathanaël Banza. Vraiment que le Seigneur vous garde fidèle de nous donner aussi l'opportunité d'écouter ce message en direct, comme l'a dit la maman. Maman Nicolette. Voilà. Vraiment que Dieu vous bénisse pour ce cœur-là que vous avez. Je viens célébrer parce que j'ai vraiment des choses à célébrer. Je viens célébrer l'amour de Dieu. Je viens célébrer la puissance qui est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je viens célébrer l'efficacité de sa parole surtout. Parce que quand il dit « je veux faire », il va le faire vraiment. Parce que me retrouver là-bas à Amsterdam, à moi, c'était pas facile. Wow. C'était pas facile, mais... Mais au bundio longi. Amen. Obundio longi, osali musalo ba mama mingi basala te na mona na mibali na bangote. Bazo yaka ka lili ko bwaka ba cri de joie mais yo mwana muke oyeka lobi lobia o réussir comme mama mibali no tina Amsterdam. Amen. Bango bazawa na mona na mibali na bangote.
Ok, allez-y, continue en français. Oui, maman. C'était très glorieux. C'était très glorieux parce que quand j'avais, disons, ce programme-là, dans la semaine là où le Seigneur m'a visité, et j'avais un sujet de prière, je disais, Seigneur, je veux que cette année, je veux le fêter avec toute ma famille. Amen. Fais-moi grâce. Je ne sais pas comment tu vas le faire, mais je sais que tu es un Dieu qui n'a pas de frontières. Tu es capable et possible de le faire. Et je continue comme ça. Et quand j'étais là où il y avait des séminaires en Bruxelles, et Dieu a commencé à parler dans la bouche de maman Vivalda. Elle m'a dit, Yaya, il faut venir prochaine fois avec les enfants. Parce que moi, quand je parlais seulement de mon mari, mais je ne mettais pas les enfants, en fait. Après, elle m'a dit, non, il faut faire vraiment tout, ramène les enfants prochainement. Parce que quand tu ramènes les enfants dans les conventions comme ça, ça l'ouvre l'intelligence des enfants. Elle savait pas que moi, on avait des problèmes concernant ma première fille. Elle avait un peu de difficultés à l'école. Quand elle a dit ça, je suis rentrée à la maison. J'ai dit non, je dois me préparer pour amener aussi mes enfants à la Pâque. Oui. Je savais pas comment. Je priais, je savais pas comment. Et là, maintenant, tellement que j'étais dans les jeûnes et prières, un jour, le dernier jour de mon jeûne et prière, je me suis réveillée. Je suis rentrée dans les sites, maman, j'ai regardé des billets, tout ça, j'ai regardé pour moi et des enfants, c'était pas si cher. Mais non, je me disais, ah, si je pars, je viens en avion, mais j'ai besoin il faut deux adultes parce que les enfants sont petits. Si tu peux résumer, ça sera apprécié. Voilà, maman, ok, merci. Oui. Alors, Dieu a fait grâce quand le programme de Menengai est venu. Moi, j'étais focalisée au Menengai. Mais après, je fais ce rêve-là, là où le Seigneur m'a montré que je suis descendue aux premières rues d'Amsterdam. Et j'ai vu l'image de notre papa, j'ai vu l'image de la sœur Plamedi et Zoraima. Et je comprenais pas toujours. Et je me suis dit, bon, comme Menengai, je pouvais plus aller. Et c'est là maintenant, je me suis concentrée seulement à la Pâque. J'ai acheté les billets, mon mari ne savait même pas qu'il devait venir. Et quand vous êtes venu avec le message de Esther, oui, de Esther, que quand Mardoché lui a dit qu'il ne pense pas que s'il nous tue, qu'il va t'épargner. Et c'est là maintenant, Esther a dit que non, on doit prier et jeûner et après elle va aller parler avec le roi. Et c'est ça qu'elle avait fait et j'ai pris ces stratégies là. J'ai continué à jeûner et après j'ai acheté les billets et c'est après là que je lui ai parlé et il avait toujours dit non. Il était vraiment catégorique, non, je vais pas aller. Je dis il y a pas de souci, mais je vais continuer à prier et jusqu'à ce que Dieu l'a touché et on est venu comme on est venu là. Amen. Et il avait vraiment la joie, même plus que moi, maman, parce qu'il se sentait à l'aise, il se sentait bien, il se sentait même quand on est revenu. Donc, il parlait que de ça, il parlait que de ça. Wow. Et j'ai pris aussi ces stratégies-là, maman, comme vous avez dit une fois que vous avez mis papa ou vessie dans le confort. Oui. Vous avez pris l'avion avec première classe, tout ça là, juste pour qu'il soit en confort. Et c'est ça que j'avais pris aussi, ces stratégies-là. Bien que ce n'était pas les premières classes, mais j'ai dit non, on va aller en avion parce que si je prends le train, ça va faire 5 heures. Et en avion, c'est 1h30, 40 minutes, comme ça. Oui. Et c'est ça que j'ai fait. Et on était là, c'était vraiment glorieux. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Et j'ai vu l'accueil que je lui ai donné, ça l'a libéré. Oui. À partir de cet accueil-là, avant, il ne savait pas, « Maman Mireille va me frapper aujourd'hui ici à Kanakanga. » Mais l'accueil que je lui ai réservé, ça l'a épanoui. Amen. J'ai vu le dimanche, il était à l'aise. Oui. Il est venu dans les cercles pour célébrer son Dieu. Oui. Oh, j'étais contente. Amen. J'étais contente parce que vous êtes un jeune couple qu'on doit encadrer. Amen. On doit encadrer avec beaucoup d'amour. Amen. Et beaucoup de patience. Amen.
Oui, oui, oui. Ah, donc il est rentré, il ne faisait que parler de la Pâque. Que parler de ça, oui. Il était vraiment... Il était vraiment comme un que c'était différent. Mais de voir, de vivre aussi, c'était vraiment différent. Et quand on est rentré... Ce sont les envoûtements. Ce sont les envoûtements. Moi, je sais que ces choses-là, ce sont des envoûtements parce que moi, j'ai connu ça avec mon mari. Tu vois, on envoûte, on vous envoûte. Et quelqu'un commence à voir les puissants prophètes et mauvais, les puissants prophètes et ceci, les puissants prophètes et cela. Ce sont des envoûtements. Hein? On l'envoûte, il commence à voir Maman Chibishop et ceci, c'est là, Papa Banza et ceci, c'est là, ou votre église, là, vous exagérez. Ce sont les envoûtements, on aveugle quelqu'un pour l'éloigner de là où il y a sa bénédiction. Mais moi, je connais ce combat-là dans mon foyer, c'est pourquoi je vous comprends, vous les couples qui êtes tout autour de moi. Amen. Oui. Et je bénis la parole, vraiment, que je célèbre cette parole des Exode 12, maman. C'était vraiment glorieux de comprendre cela. Et là aussi, on peut voir que la parole de Dieu... Tout ce que l'Éternel Dieu dit, ça va s'accomplir. Parce que l'Éternel Dieu donnait le message à Moïse d'aller parler au roi, de libérer les enfants d'Israël, mais il ne voulait pas. Et Dieu avait dit, s'il ne le fait pas, il va frapper tous les aînés de la famille. Et c'est ça qu'il a fait. Et le roi ne voulait pas libérer les enfants d'Israël parce qu'il avait c'était pour son propre but. Donc, il avait l'intérêt dans ça, ce qu'il faisait. Et quand on voit maintenant notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui a accepté la mort, il est parti à la croix de Golgotha. C'était pas pour sa propre, comment on dit, pour l'intérêt, n'ayez mon côté. Ce n'est pas même. Pour l'intérêt, non. Et puis, ce n'est pas parce qu'il avait péché. Voilà. Donc, c'était pour notre intérêt que nous soyons vivants, que nous soyons restaurés, qu'aujourd'hui, nous puissions parler, célébrer de ce grand message qui est la repentance et sanctification. Vraiment, c'était vraiment glorieux. Et je célèbre encore ce message qui est rentré au Venezuela, maman. Ça, c'est encore un autre niveau. Yes. Parce que quand je voyais le message, disons, la vidéo de puissant prophète et le président. Le président. Et c'est salué comme si c'est connaissé. Oui. Et je voyais en même temps le président aussi, il était vraiment... C'est comme s'il ne croyait pas aussi que le puissant prophète était vraiment devant lui. Oui. Cet homme, il fait vraiment des grandes choses. On voit la parole, on voit des miracles que Dieu opère à travers de lui. Et maintenant, il est face de moi. C'était vraiment la Bible, comme Dieu dit, si tu gardes ma parole... Si tu fais ce qui est ma volonté, tu m'écrains, je te faisais asseoir parmi des grands. Alléluia. Et c'est ça que nous sommes en train de vivre, la Bible. Et tu vois, lui, le président de Venezuela, il est assis avec les grands du ciel, de la présence de Dieu. Et l'homme de Dieu aussi, il est assis avec les grands de ce monde. Oui. Donc, c'était les grands et les grands. Et le grand, oui. Et on voyait vraiment le temps, parce qu'on sait vraiment les blancs, ils ne sont pas vraiment... ils ne s'aimaient pas longtemps là, en temps d'écouter seulement le message. Quelqu'un parlait, mais ils étaient là des heures et des heures. Oui. En train d'écouter la parole. Ils se manifestent aussi avec des cris, des joies, avec des acclamations. Oui. Parce qu'ils n'ont jamais entendu, ils n'ont jamais écouté ce genre de message. Oui. Et il y a des preuves aussi qui montrent aussi des vidéos, comment le Seigneur lui-même est venu visiter. C'était vraiment très glorieux. Oui, même à Caracas, les jours de service des guérisons, j'ai vu ce blanc-là rester des heures et des heures. Oui. Normalement, il commence à partir. Au Brésil, tu vois, à un certain moment, le terrain reste vide parce qu'ils partent, ils partent, ils partent. Même au Kenya, là-bas, ils partent. Oui. Mais au Venezuela, ils sont restés. Ça, c'est un point très important que vous nous amenez. Oui. Ils sont restés des heures et des heures. Ils n'étaient pas pressés.
En plus, ce qui est grave, maman, parce que des fois, ici en Europe, on sait, les Africains, ils n'ont pas vraiment, vraiment des valeurs. Mais là, c'était un Africain aussi qui donnait le message. Un Africain qui est le puissant prophète de Dieu et un Africain qui est l'interprète. Voilà. Le frère, là, c'est lui qui est interprète. Et là, l'archibishop, là, c'est un Ghanéen. Oui. C'est un Ghanéen, mais qui vit là-bas depuis des années. Donc, c'est là vraiment on voit la parole de Dieu comme il a donné aussi dans Apocalypse 14. Oui. Il a dit d'aller, quand l'ange disait, Dieu une voix forte, d'aller donner, disons. Quand l'ange annonçait l'évangile éternel. Voilà. Oui. L'évangile éternel. Donc, il ne disait pas, il ne choisissait pas les nations ou les Africains seulement, les Blancs seulement, non. Il a dit à tout le monde. Alléluia. Ça, c'était vraiment glorieux. Amen. Et donc, l'éternel Dieu est en train de nous prêcher de toutes les sortes de... De ma manière nuance, au fait. Et puis, là, quand vous êtes en train de mentionner ce point-là qui est très capital, parce que vous ne connaissez pas l'histoire de l'homme de Dieu, le puissant prophète de Dieu avec Archbishop Abbott. Archbishop Abbott, c'est depuis des années, c'est le puissant prophète de Dieu qui les sponsorise. C'est le puissant prophète de Dieu qui lui donne, qui lui achète des billets pour venir à Menengai 1, Menengai 2, Menengai 3, qui paye ses hôtels. C'est le puissant prophète de Dieu qui le sponsorise dans beaucoup de choses parce qu'il a des moyens limités. Pendant des années, c'est le puissant prophète de Dieu qui l'a coaché, même dans le ministère. C'est le puissant prophète de Dieu qui l'a boosté, qui lui disait, il faut ouvrir des églises, il faut élever les bishops, il faut élever les pasteurs, va, évangélise, va, organise des réunions. Moi, dans ma présence, quand il venait, il disait, qu'est-ce que tu as fait là-bas, Venezuela? Tu dors! Le puissant prophète n'est pas facile avec Abbott, hein? Des fois, Abbott pleurait comme ça quand on l'engueulait. Moi, j'ai vu ça. Des fois, je l'ai ramassé pour, j'ai dit, beaucoup de courage. Je l'ai vu à Lima, Pérou, comment on l'avait corrigé par l'homme de Dieu. Oh, j'ai tremblé de la tête aux pieds. Mais regarde aujourd'hui comment Abbott est honoré. Amen. L'humilité Amen. Quand l'homme de Dieu te corrige. Amen. Il y a beaucoup de gens là-bas qui pouvaient traduire, hein, mais l'Éternel Dieu a permis seulement que Abbott entre même dans les diètes privées parce que c'est lui qui traduit. Oui. Sinon, le prophète de Dieu ne va pas se comprendre avec les pilotes. Oui. Mais j'ai vu comment Abbott on l'a martelé parce que lui aussi n'est pas facile. Hein? Oui. Et comment l'homme de Dieu n'était pas facile avec lui, il était sévère. Alors quand j'ai dit sévère, sévère, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire ici, les cinq continents est en train de m'écouter. Mais je dis ça seulement superficiellement pour enseigner tous ceux qui travaillent avec nous. Amen. Qu'il y a des gens qui sont des rancuniers. Qui quitte l'église parce que moi j'avais cité son nom ici en public. Maintenant la personne a gardé ça comme rancune dans son cœur et plus tard la personne va utiliser ça. Oh Dieu m'a parlé d'aller ailleurs. Mais Abbott n'a pas fait ça. Amen. Il est âgé, ce papa-là, il est père de famille. Sa femme c'est une Vénézuélaise, je ne sais pas si on dit ça. Sa femme est de Venezuela, elle est grande de taille comme papa Archbishop, elle dépasse son mari de taille. Mais ils ont accepté la correction de... Il est là plus de 10 ans avec le puissant prophète de Dieu. Amen. Oui, Bishop Stanley connaît le nombre d'années. C'est depuis 2009 quand le puissant prophète est allé au Venezuela. La première fois, 2009 et puis 2012. Ça, ce n'est pas le premier voyage de l'homme de Dieu à Venezuela. Okay. Oui, ce n'est pas le premier voyage, c'est le troisième voyage.
si je compte bien. Wow. Le premier, c'était en 2009. Il y a des vidéos là dans le YouTube, allez chercher. Et puis le deuxième voyage, je pense, c'était en 2012. Donc, Dieu insistait toujours que j'étais donné Venezuela. Voici maintenant, c'est le troisième voyage qui fait boum. Donc, je nous encourage, nous tous, hein, de continuer à servir Dieu, même si on ne voit pas la porte d'ici. Amen. Même si les gens ne viennent pas, continuons à être comme le berger là de Bethléem. Amen. N'abandonnons pas l'œuvre de Dieu. Ce monde ici appartient à celui que nous servons. Amen. En un clin d'œil, le ministère va faire boum. Alors, un mot de la fin, Madame Missemba. Un mot de la fin, que toute la gloire vraiment revienne à notre Dieu. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit élevé, de nous faire grâce d'écouter ce message vraiment qui nous bénit, qui nous fait rentrer vraiment dans la profondeur. Hier même, quand il a parlé des cicatrices du Seigneur Jésus-Christ, j'ai dit « waouh ». J'ai dit vraiment « waouh », que Dieu bénisse encore le puissant prophète de le faire. Vraiment que Dieu vous garde aussi fidèle et nous donne toujours la force d'être là, à ne pas lâcher jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Que le Saint-Esprit de Dieu nous garde, nous tous fidèles au nom de Jésus. Amen. Merci, shalom, shalom. Merci beaucoup. Je vois Bishop Sionley qui nous bénit des anciennes vidéos de Venezuela. Il me dit, la femme, on dit, c'est une Vénézuélienne. Voilà. Okay. Donc, en 2009, c'était le premier voyage. En 2009, le Bishop Stanley est en train de prendre ça dans le YouTube et nous le partager. Et c'était là où le puissant prophète passait par Amsterdam. Et c'est là où il m'avait béni en 2009. Quand il passait par Amsterdam, papa chez Bishop et moi, on organisait les business class pour lui, les salons d'honneur. Et puis plus tard encore, quand maman Vivade était enceinte, c'était en 2000 combien? Voilà, 2012. Voilà, je vois 2012. Et c'est là où il m'a béni encore en 2012. Tu vois, quand j'ai tiré sa valise en main, c'était un samedi, et quand je suis allée à la veillée, et c'est cette veillée-là, cette jeune fille-là, je ne vais pas citer le nom aussi, tu connais, Sœur Patricia, elle est tombée, elle rampait comme un serpent. Et quand elle est arrivée devant la porte-là de l'église d'Amsterdam, moi, j'avais les yeux fermés, je ne voyais pas. Parce que c'est moi qui conduisais, c'était pendant l'adoration. La porte-là s'est ouverte d'elle-même. Et elle a rampé encore devant la porte des parkings pour sortir. Et la porte-là des parkings, vous voyez, c'était fermée. Et la porte s'est ouverte d'elle-même. Et les fenêtres de la salle d'Amsterdam étaient en train de s'ouvrir. Vous voyez les fenêtres, là, c'est en fer. Quand on ferme, met les poignets, mais les poignets descendaient. Et les fenêtres s'ouvraient d'elles-mêmes. Naïra, le samedi qui a suivi, elle a dit à sa maman, je n'irai pas la veiller. J'ai trop peur de ce qui s'est passé le samedi passé. Elle était sous les draps. Sœur là que le chien est sorti en elle. Il y avait aussi papa Christy qui a eu peur. Elle a dit, j'ai peur d'aller encore à l'église ce samedi. Quand la jeune fille là est arrivée au parking là-bas des voitures, maintenant elle s'est mise debout. Elle a commencé à fuir, prendre la direction de IKEA. Là où papa Roger et Bishop Solange sont vite partis la tenir pour la ramener dans la salle. Elle était devenue comme un fer. Gloire soit rendue à notre Dieu parce que ce jour-là, j'avais tiré la valise à main des puissants prophètes de Dieu. Amen.
et sa sécurité voulait sauter sur moi. Le puissant prophète a dit, non, laissez-la parce que vous étiez distrait, ma valise était la personne tirait ça. Et puis, il m'avait béni ces jours-là. Et quand je suis allée à la veillée, c'est là où ces choses-là se sont manifestées. Oui. Et hier, quand il a donné le micro à la jeune fille-là qui chantait à la fin, oui. J'ai dit, oh, cette petite fille ne comprend pas qu'on lui donne le ministère. Amen, amen. En 2013, le puissant prophète est venu à Amsterdam. Nous avons la photo là qui défile dans notre page de Ebenezer Adas à Ministry. Je ne sais pas si vous avez enlevé cette photo là. Là où l'homme de Dieu, quand, avant de sortir dans la salle, il m'a donné le micro. Moi, j'étais assise là-bas derrière, parce que je l'ai laissé avec papa chez Bishop ministrer devant. Moi, j'étais assise derrière tout le monde. Et quand il voulait sortir, il a dit, Maïdota, ma fille, viens. Et il me laisse le micro. Amen. J'étais habillée en blanc à l'époque, en bleu, pardon, à l'époque, je portais encore les chapeaux. Les chapeaux, oui. Et regarde le micro qu'on m'avait donné, là où je suis aujourd'hui par la grâce de Dieu. Amen. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ nous couvre. Amen. Et vous couvre, vous tous, nos enfants. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Oui, que le Saint-Esprit de Dieu continue à te donner, Sœur Patricia Misemba, avec ton mari. Amen. Moi, je savais que ton mari allait entrer. Amen. Parce que il y a, parmi ta visitation de l'année passée, il y a une visitation, tu as vu que ton mari était dans le bus avec les enfants. Oui. Il t'a posé la question, mais tu étais où on t'attendait? Oui. Je savais qu'avec ce que Dieu t'avait montré là, ton mari allait entrer aussi dans cette vision. Amen. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ continue à vous protéger. Amen. Je vais dire toi, ton mari et vos quatre enfants. Amen. Vous êtes déjà dans la nouvelle maison maintenant. Oui, maman. Que ça soit une nouvelle vie dans cette nouvelle maison. Amen, maman. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ décore cette nouvelle maison. Amen. Toutes les chambres, les salons, la salle de bain, les toilettes et les quartiers soient scellés dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que les agents du diable ne vous voient plus jamais, qu'ils soient frappés d'aveuglement au nom de Jésus-Christ. Et dans cette nouvelle maison, je libère votre bénédiction de mariage à la commune et à l'église, au nom de Jésus. Amen. Je reçois mon puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Pousse des cris de joie, des cris de joie. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On va prendre Maman Vivada avant de terminer. Elle appelle avec insistance. Shalom, shalom, Maman Vivada. Shalom, shalom, Maman Sina Espichon Mireille Adassa. Shalom, shalom, shalom. Gloire à Jésus. Oui. Oui, Maman Vivada. Maman Vivada Ramos. Osaka, na quelques minutes, tu es au Kisanayo. Parce que na moni kuna service à guérison, et Zobanda déjà. Merci, maman, pour la parole. Pour la route, comme à Kassiko, na eko kuta célébration. Oui, anamoni même, pasteur Jean Mardoché, pas à quoi insister. T'occupe, ça peut passer Jean Mardoché quelques minutes après maman Viva d'André Tosukisi. Oui, maman, merci beaucoup. Oui. Na pamboli nzambe, papa, nzambe, Yesu Masia, na pamboli, moli momo santo. Amen. Vraiment, maman, nazo bandana no celebration ya menenga isisi. Na menenga isisi mama banda menenga ye banda na ya kukuta nguka na ndambu. Po fona sala swati dialuze fona sala. Na kuta nguka ka na deuxième partie. Mbala liboso menenga isisi.
na banda wuna e baneli ti na suka bala liboso. Donc nazala ki tellement concentré na meninga ici na vendredi wana na kota ka intercesseur à 16h. Tango bazo yamba baza na kati na réception na meninga ici bazo yamba prophète nazala ki déjà connecté à partir ba louange nion se banda ko sala manazala ki connecté ti na suka. Amen. Mais célébration ya menenga ici si maman nazo célébrer onzamba sala ki pona ngai awa na ndaku à travers guérison et salama ki pona Manasse. Oui. Manasse mbuma moko ebimaka ye maman nazo comprendre mbuma wana ezala ki tellement makasi likolo ya gingembre et musuni o esimbaka minu. Oh. Ya kota likolo. Na gencive, oui. Gencive. Oui. Oui. Mbuma wana ezala ki tellement makasi e umela ki vraiment na na Manasse. E banda ko swate, e banda ko sala paste me ezala ki makasi vraiment dire li banga. Siko na na to bandi menenga ici si na samedi wana pa dimanche. Dimanche tangwa la muki mbuma wana ezimbi. Oh. Ezimbi esali neti tufina mwaya kanga munoko ezate mwaya loba ezate mwaya alia ezate abandi kolela la musinga na tongo tongo alobi mama talambu mango ezimbi boye mama na yoki somo kana lobi problem te lelo docteur ezaya kokanga manalingi pena kende hopitali te Zela lendi lobi avao kende klasi tole kananu na docteur Atala. Me lelo servisi de gerizo ezo kontine de lo mkulu asuka nga na yepsi ebongo. Ntamba koko sale la yope grasa manase poto bonde la kike yesu leka pena nzela nanga tango kukita na meninga isis. Tangu to bandi gerizo e bandi mama gerizo wana tangu e bandi pa meme profeta salaki na priera ouvertiti ba gerizo pa la ba gerizo pa si ba donke na kati yesu kaka yesu nda koko sa makamba bongo mama e salaki glorie amen na tenga i moko na YouTube ya television pona portugais. Ale na zui telefona nga na tie ya Dutch. Pona ye moko abandako yoka. Margra abandako sakana na ye me na tie liye kawana abandako yoka. Nga na zalagi konsantre mama. Na meliki si te, sogi na meliki si nako lala. Nako uzala konsantre te. Service de gerizwe salami, salami. Donc nyoso profeta abandako sala. Sala maboko boy. Waipe awa nazo sala. Sala boy. Nazo sala. Margre na sala ki yako vanda me nazo sala. Nyoso profeta abandako tinda. Service de gerizwe sili mama. Ngaku tunabosa nike mwana. Azana mbuma. Nabu elongwe prema na mtu na yebaki sute. Siko tangu service de gerizwe sili. Nga siko na lobi funa lia na melakisi. Na muna kama na sazo ya 13 vrema natali na montre. 13 jese. Alubi mama mbumangwe elongwe. Mbumangwe bungi. Esiko sikatrise longwe. Aleluya. Natali mama mbumawana elongwe ebungi etiki ata sikatrise. Mama koyebi bambu maana soke ebimi oyo wana ezala makasi ko bota ba problème ebele. Mais eza pe na place moko ma zone moko ya sensible. Oui. Vraiment na ye ko célébrer yango. Amen. Célébration ya mi bale mama tango na ye baki déjà que prophète aza déjà na avion na ye. Membalo su tangu na moni yenga na lobi te nsa Yesu Masia zo honore ba oyo bazo oko honore ye. Non, avion wana eza o ba pese na president Brésil kwa tambola nango kuna oza mususu. Oh oui, makamu eza minene yango moni nga na zo bina. Oh oui oui. Hey. C'est ça. Yesu na pesa ye nini mama. Yesu na lobana ye nini oya ye bite oyo nano ayokate. Oui. Ah.
C'est ça. Yangwana biso, yangwana biso na bino to continuer ko banga nzambe, nzamba za mo futi malamu. Amen. To continuer ko banga nzambe kati na bosolo. Amen. Et to continuer ko mikiti sa kozana humilité. Eza bongo mama. Tala tata wana oya zo traduit prophète. Modèle prophète a disciplina tata wana. Ngana na discipliné mutu moko te na niveau wana na kati ya ministère oyo. Mais comment on ande bat bazana lo lendo awa mutazolo mutazolo bake ngai mama chibishop nde fo ya ko singa ngai pardon. My God. My God. Tambalimbi sa vraiment. Yo yangona na bi photo singela kande biso moko awa pardon. Oui, hey. Oui, maman. Parce que batu baza na lo lendo. Omo na pe mutonga za na lo lendo. Aza même pas nonction. Aza même pas na mbongo. Aza kutuna ba maladi ebele na nzoto na ye. Aza na ba esprit de mort. Mais ozumu na eloko oya munene aza na mweza kaka orgueil. C'est pas, c'est pas normal. C'est pas normal. T'as la président ya Brésil, président ya Brésil, Brésil mobimbeza na sena bokonzi na ye. Mais t'as la ndenge nini alati humilité devant prophète en Zambé. Vraiment. T'as la ndenga miki tisi amoni kabi non. Mutu azana en Zambé. Parce que Nzambe za mokeli na likolo pe na se. Oui, maman. Mais you anwa ozo bangate. Ozo bangate biso ba tuto za na nzambe. Biso ba tuto zo sambe la tala maman viva da sekwi. Tala pasteur ema ucho celebra sekwi. Tala Patricia Misemba alingaka kufa na kacha ndaku na yako ya kikaka. Merci beaucoup Venezuela, président Venezuela. N'habitez pourquoi Brésil est tiré dans mon tour. Merci de m'aider. T'as la président ya Venezuela, ami Kiti si, ami Kiti si devant Zambo azana kacha prophète. Vraiment maman. Mais awa maman na zolo babi, maman chibishop nde faya ko singa ngai pardon. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Mama kokota na ye kaka ya pamba ozomona de alobi te me otali muto azotambo lobi we oyo muto na nzambe eza profeti ya nguya ya nzambe parce que tambo leli na ye lenga kota kina kati na sal si ya mutu ya vraiment mutu moko ta kokolobana nga au contraire parce que mama ya mutu ya lelina biso ya mutu ya mama vivada eza na kati ya ndenge mutu azotambola na démarche na été ya mutu ya eza oyo bible oyo memeli biso oui ya mutu eza bible oyo yango pe biso tozo memela bino message ya restauration ya chair. Message à, message à restauration à chair, message à repentance, message à kokabwanana kindoki. Oui. Message à kokabwanana bondumba. Oui. Message à kokabwanana lolendo. Message à kokabwanana arrogance, surtout arrogance. Nganazo célébré nenge guerre zo ya en Europe. Nazo célébrer nenge Poutine a ko bombarder Kalate. Amen, mama. Tokende lola, tokende lola.
Tokenolola, utinozo kon bombarder tokenelola, batuna lolendo, lolendo na bino na nzamba zo suki sango, ezala lolendo ba américain, ezala lolendo ba européen, ezala lolendo ba africain. À cause à lolendo ne satana ba bengana ki na lola. Za bongo mama. Batumo bimba ba yebi komikiti sate président Brésil ya Venezuela merci Saint-Esprit. Président ya Venezuela mikiti si. Oui, mama président pe ya Brésil pa mikiti sa ki tan prophète à travers kokota na ya prophète na kati na Brésil. Bon ya tinda ki délégation asala ki na sima. Mi bimisa ki teneti président Venezuela mi bimisi. Omoni ya tinda ki délégation ezaki qui ba maire ya ba commune wana ba yaki bazako représenter cabinet présidentiel mais oyo ya Venezuela les a différents maman Vivada. Oui. Oya oui, Venezuela ozomona oui, kutu oui, vidéo moko na kaboli oui, lelo vidéo moko na kaboli lelo na nomoni yango te ye moko leki na de na télévision nationale azo ko sa la discours azo annoncer que prophète Nzamba za na kati ya mboka bokende président de la république. Oh my god, ah moi je célèbre ozomona président Félix Tshisekedi, tel exemple à suivre au lieu yamba kaba chef coutumier ba pesa ko ba machette. Nini ozo mema Congo wapi? Eh? Ozo mema Congo wapi? Congo za déjà ya kokufa. Tel exemple à suivre bino nyoso tu ba président nebi ke bolanda kanga boye bingai. Tel exemple à suivre. Oh, maman Vivada balanda nga bango nyoso. Même ville Alexandre, look, hein, Fort Belt, rouille Fort Belt, Prince ville Alexandre, nebi kolandanga, na mwasi noyo, Maxima, nebi ke bolanda kanga. Regardez l'exemple à suivre. Même Prince Philippe à Belgique, nebi kolanda kanga. Quel exemple à suivre? Oui. Oui. Beaucoup, tu sais, bocha yesu na tête à ba nation. Quand dans Zambé, quand dans Zambé kokita, Zamba kolongola mopanga na ye. Alors, maman Vivada, un mot de la fin, tenu topé sa pe papa, passer Jean Mardoché parole, parce que ministère Ezaka ya ba maman tena ba papa. Maman na ye ko célébré Pâques. Na mukuse, po topé sa ki déjà temps ebele na katia Pâques. Na mukuse. Pâques nana célébrate maman. Te na katia Pâques. Na katia Pâques ozwa ki bazer na bazer na katia Pâques. Oui. Na yeko célébrer vraiment na pesi merci na batu nyonso batika ki ba confort na bango poto célébrer longo Pâques parce que ko sala sacrifice ezana makambo ebele oye sala makana na via batu oye sala makana na prière en ligne. Ngai moko na za temwe ngai moko soki bo morning ngai donke na lobby deja ebele na resis na sekwi a travers a koza na sur place. Amen. Après mama tangu to yaki na papa ram te loko moko Fredi ayebisaki nga bengi ngai. Oui. Parce que nga tangu na tuna ki ezala ki facilite Fredi atuni nga mama osali nini olongola papa na confort. O me mayeti na Holland. Wow. Sekre nini ostali ponga Fredi na zondi mate. Wow. Alongwe vrema. Atindi leki na yemana se sale langa nanu mwa video. Otinde langa na confirme vrema ke papa zakuna. Wow. Vrema na zo celebre. Aleluya. To leki saki park na hoteli na kimia. Amen. Amiri mirete. Denge zala kakia kotea batu mala les asali yangote. Wow. To yaki na trenga na zarai na kobanga donke akoloba po na voyage me asali eloko te alobi eloko te. Wow. Mama sisi koyo donke ko ondire kutu ko azala ki na te Jezi akumisama ninga loba kake la, d'habitude ceux qui
boye na ye, bozo yi na chambre hôtel et komi koswa na lobi bino boza ba idolatre, bozo adore, papa Archibishop Nathanael Banza, bozo adore, mama Mireille Adassa Banza, a lobi sou makamba bongo te. A lobi makambu te, e pourtant mama ndenge zala, e loko moko na place yesa bandaya ko, donke kosa la de, ate yesu, maman tambe tuko lekae na mayele ti. Amen. Yesu masia pambo lama. Aleluya. Onde bandana na sala ananga voyage ya Hollande, au Belgique na tre, nana mona pulisa banda ko kontrole tre na suka ti na suka. Na suka liboso tina suka ya mtu. Me mkolo wana kota ki abandi ko kontrole moko na moko. Tangwa komi na plasi na ngaba zala mibale. Na pesi bango pasepo nanga, karte nidansite nanga na pasepo amanase. Bango siko po mama ekoma poko pesa motivi vrema oyeza valable po bale kisayo. Oho? Oui. Ah bon? Siko tamba, tamba komi plasi nangai, plasi tovanda ki, batu ningai. Obozo kende kosala nini na Hollande. Mana lobi no, tozo kende ko celebre Pâques na église na biso. Tozo kende ko celebre la résurrection de Messie na kate na église na biso. Na zongi sa ki ye na Dodge. Bazala ki Hollande me, ba, eza police ya frontière ba loba amino konyon so presque na koloba. Oui. Si kota mo ba yoki ngayi ke na lobi tozo kende ko celebre Pâques na église na nga, pour célébrer la mort et la résurrection de Messie. Allez, quand vous avez passé par ce point, vous avez dit que nous sommes tous ensemble. Vous avez dit que nous sommes tous ensemble. Vous avez passé par ce directement. Mais si vous avez fait mon côté, vous avez dit que nous sommes noir. Et là, vous avez dit que nous sommes tous Allah sindeni ka ate mama message a repentance zo longo la biso donc na salité na condamnation. Amen. Fufu Allah ba fufu e ko e kauka la ti pe kola na etam police bazuye. Ba lobi yozo ke de sala nini. Apesa ki raison valable ti. Alobi ko kitate zela na biso ba communique police police ya Hollande oyo wana ekanga kabatuzo kota sa motive sa passeport. Ba communique kuna pena vin na ya utaki po utaki pena utaki na Alemani pe lokola biso. Oui. Ba communique yembala moko do alobi ko ningana te soki o ningani donc toko tindela yo antiterror oyo wana kenda kozwa batu na porte mboko zali. Poto moni raison valable tozo kote la nango na Hollande. Mama, ramza yezista pasi awana kangana lobi Yesu Masia zwa lokumu. Le même police tango tokiti, ba oriente biso, ba do, te ezala ki glorie. Kana lobi ramza Yesu azo vizite yo. Kana lobi ramza vizitasyo oyu ba police bazo sale zapo na ngayi, te zapo na yondi melaye. Mama zandi nye alobaki eloko teti to sali conférence to sili si Zila. To celebre atikali ko mirmireti. Zamba ebi ko ejike batu. To zongi la non li, oyo memili biso eza bombe na midi oyo ba 15h yangoyo. Donc, mwana mwa si wana zala kine na mukanda. Azalaki na mukanda. Mais, alati ba kola, alati ma be. Ala taki ma be, mais e preuve que mama tango azo vanda, tango a moningai. Na lati ndene mousou mwana, nga lati robe. Ya mulai. Oui. Ngai pe ya mulai na kitambala na ngai. Oui. Siko tango vandi sepana biso, akomi mal a l'aise. Sambe mouta mema ki e wana. Oui. Azu kazaka zo kuka kubomba zo kuka kubomba mama elate limabe ati blouse moko ya mukuse alati kola donc ngai place na zalaki ate siko ye bakangi ye baboya ko a traverser frontière bakangi ye ababoyi kokota ba akota na Hollande Yesu azo zonga
Eh, bah, ah, donc, ma police, on a beau vraiment. Maman Vivada, merci pour nous comme la biche et l'okoyo. Merci pour nous comme la biche brique à mon nene na kobe en même pays loco, li kamboyo. Moi, si on a za na mkanda na e, aza en ordre na l'état. Aza en ordre na l'état. Et preuve que, après ça qui va passer pour na ye, na na passer pour ya, moi na police pe a bengi. Na na ville na ye bango ba ye ba kodi na bango ba sala kapona ko benga ba ye ba soki mutu ango aza vraiment légal ba bengi pe problème ezata aza légal mais ba boy akota no land zonga na Allemagne na meshi na mutu mama na kani azayi mutu azayi mutu mangala Asalaki na yebite asalaki te mutamangala te mutamangala te soki mutamangala alinga ko lo ba anglais te okay azo alinga ko lo ba anglais o bomoni place mokile zo kende bino bato na lolendo po ba pesa yo mo passeport européen o komi lolendo komi ko komi ko ba loba na yo te ke ngaba koko loba na nga na lini te ngaba koko tanga kombo na nga na radio te omoni place mokile zo kende boko simba mutu kala te eza mawa mingi mama soki mutu baboyi ko ko korije mama nga na zo ko se rappeler tango na bandi ko dirije intercession nga na banda ko benga molimo mosante loko mama bozo ko se rappele lisusu très bien rokiko bosanate bo banda ko korije ngai bo banda ko korije nga tala lelo na koma ko mon na koma ko pesa Saint Esprit na esika na ye vraiment na lolenge esengeli ba bengela ye Mama Vivada, même police wana aboy mwasi wana mwasi wana pazaki na mwana na ye azalaki pena mwana kata anza manase kwezala wow bango ba police même police oya refoulé mwasi wana zonga na Allemagne même police wana alengeli bino a orienté bino a laksi bino nzela oui alakisi bino nzela. Boyebi ke mama papa ramzaza nanu na nationalité allemande te mete batala kite tamu kanga na lobi ke zamu bad na ngabata ba ipe yete ba kompane biso tokiti ba siki biso place to zwa train poto kom to kende arena ba oriente biso ba pese biso au revoir bonne fête ya pat yango mute bane ko edike papa ramu sa partir ya wana oui Ozomo nande nini bino ba africain bo banga ka police ko le kanzambe. Omoni mune nzamba ejikeye. Lokola bo banga ka police, police yon pe okango azong so na mboka nao. Comment mutu ba zong so na mboka no place obote une place au kolo zo bo ya zong. Parce que bozane de nouveauté. Ngonge koki sikoyo Poto e komi na suka. Komi na suka, mama, e komi na suka. Siko zomo aneni nzamba sali différence. Papa Ramu sa na nationalité allemande te. Me yo muto za na nationalité allemande. Na mwana, yo muto za d'abord na nationalité céleste, mama Vivada. Oui. Zambe na lola défendre yo a protéger yo nanzela na yo ne mobali no azala ki protéger na frontière wana. Oui. Ça, oui. Ça c'est très glorieux. Oui. Ça c'est très glorieux. Na yo ka ki makambo yo ke na na l'man de makambo échangé na yo ka ki ango ba lobi on même na information. Oui. Na l'Allemagne ba lobi soki oke ko signaler police ke mutu boyaza na mukanda te bazo futa mutu wana 7000 euros cash. E bandi na Allemagne, eko suka na Allemagne te. Eko suka na Allemagne te. Bino batu boyaki bokomisi poto lokola lola na bino.
Bobouan ki, makila na Yesu, bobouan ki, la croix de Jésus. Yesu Masia, azo benga moko na moko siko a se repentir. Et comme il n'a trop tard, et comme trop tard, ce qui mouta koufi. Yo moutosa na bon moi. Ozo yo ka célébration o na linga la paix. Et ça te geto lo bango na français. Tika moli mo santu a touché mo tema na yo. Oyambo la kindoki. Oyana poto kolo kabaninga. Ko détruit ba vie abatou. On l'a dit même robe à moulayo, kangi ki tambala na moutou, maman Adas, anzo kando ki mounene. Doki mounene, maman, doki mounene, moussane kwa mpote ko bimisabatu na présence en Zambé. Oh, maman Vivada, siko e komi na souka. Siko e komi na souka, nzamba tike la ki moutou na moutou tan se repentir. Oh, police, asali bino wana, c'est grave. Oui, c'est grave. Zamba, permettez que ma maman en africaine ait confondu la musique à tena bino pour me mettre la biche en olélo. Donc, que la police a tali ngaï banda lo kolo tina moutou, a tali maman en a banda ma kolo tina moutou maman. Si, ton zale kabo et ton vali kaka moua kouloua na kati ndenge ka na 13 alak. Ton vali kabo et police vraiment tele mi li boso na biso, a tali ngaï ponga na tele ma ki pona pese pase po, ye pa tele ma ki a pese pase po, a tali ngaï nenge na late la ki, a tali pe moua na ngane nga late. Mwana pa kolata ka salite ne mama lati mabeti. Mwana lata ipa ka kola ndenge mama lata ki. Oui. Siko nzambe ye, nzambe Yesu Masia ye moko siko akomi ko evangelize siko. Oui. Différence c'est quoi qu'on comme entre ba oba oba nzambe na ba oba oba nzambe te. C'est pas bon maman. Makambo makambo comme si ko grave. Yesu azozonga. Yesu azozonga. Waouh, merci beaucoup maman Vivada. Merci beaucoup, merci beaucoup. Tikete makila na Yesu Masie continue ko développer guérison o ese koti kati na bomo inayo. Amen. Makila na Yesu Masie continue ko restaurer foyer na yo. Amen. Makila na Yesu Masie continue ko sanctifier Freddy na le ki na ye manase bana na bino. O baza bana na biso. Oui, amen. Molimo santo garder yo fidèle et pas nzambe ti na enlèvement église. Amen. Ezambongo oui. Mama. Bate be l'enlèvement oui. De l'église. Bate belé ba ça la razoua. Ah, maman zopé sa sous maman viva da parole. Na chaque milou le faut que maman viva da loba. C'est parce que ça les 12 ans. Oui. Na zomo na oui. Bamisusu bazo souka na 10 ans, bamisusu bazo souka na 8 ans, bamisusu bazo souka na 3 ans mona atamboli, atelengani. Mawa. Me yo oyebi place nino telemeli na kati ya ministero na makolo ya Yesu. Amen, mama. Tika Saint-Esprit de Dieu a gardé yo fidèle et pas na Nzambe po batukuto balakisa o ministero baza susute. Si bakenda. Basi bakenda me yo tika lozo persévéré. Oui, parce que c'est le nom de Jésus qui délivre, qui donne la vie. C'est Jésus-Christ et le chemin qui va nous amener au ciel, maman, auprès du Père. Alléluia. Alléluia. Nazala kafier na yo. Tika makila na yo se bomba on a ebi ke nazana mwa na moka za kanaminike. Maman Vivada. Maman, je vous aime beaucoup. Tika makila na ye se bomba yo. Oui. Tika makila na ye se bomba yo. Alo beta mololo, mololo, mololo. Moutimo. Allez. Moutou moka kota langa yuana service à guérison soke bandit komé langa na groupe à WhatsApp. À l'entretemps, nazo invité Pasteur Jean Mardoché aya ko célébré. Tobanda kina na papa Bishop Stanley. Oh, 21h.
service à guérison, ça va commencer à 21h exactement, heure de Bruxelles. Ok, gloire à Dieu. Shalom, shalom, pasteur Jean Mardoché. Shalom, shalom, maman Chibichop. Shalom, shalom. Merci beaucoup. Vous avez la parole. J'ai la voix que c'est. Oh. Je dois prier, donc je dois crier. Quelqu'un qui est énervé, mais bon, je voulais vraiment célébrer. Je m'appelle par j'habite à Stockholm. Je bénis Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc, comme nous sommes en train de célébrer la Pâque et ce qui se passe au Venezuela, vraiment, je bénis Dieu de nous avoir conduit toute la famille à la célébration de la Pâque. Oui. Et j'étais vraiment béni, nous étions bénis pour cette parole que vous avez prêcher, parce que concernant la Pâque, souvent nous avons plusieurs passages bibliques, et surtout on parle toujours de la résurrection, mais vous aviez abordé le sujet du jardin, donc dans Jean 19. Oui. Et c'était vraiment très profond ce message, parce que vous aviez parlé du premier jardin et du deuxième jardin. Yes. Donc, moi, j'étais pas... Bon, j'étais pas là-bas, mais quand vous aviez évoqué ça, moi j'ai dit, ah, quelle profondeur encore. Donc, vous avez vraiment expliqué que le premier jardin où il y a eu la victoire, qu'on peut parler, la victoire de la mort sur la vérité, sur la vie, pardon, et la victoire du mensonge sur la vérité, parce que c'est là où Satan s'est vite triomphé pour nous écarter de la présence de Dieu dans les jardins, là où l'homme était censé vivre la vie éternelle. Et quand vous aviez abordé maintenant dans Jean, vous aviez encore parlé du jardin, moi j'ai dit, mais j'étais pas là. C'était vraiment très, très glorieux que le deuxième jardin nous montre maintenant la victoire de la vie sur la mort. Et notre façon aussi de célébrer la Pâque, ce n'est pas la même chose comme les Juifs. Parce que les Juifs se limitent de la sortie de l'Égypte vers la terre promise. Yes. Ils se limitent sur la terre. Parce que la plupart des cas, ils sont morts. Mais nous, notre Pâque est au-delà. Parce que la Pâque avec le Seigneur, et nous montre vraiment que la sortie, comme vous aviez dit, la sortie du monde pour la vie éternelle. C'était vraiment très, très profond ce message. Je continuais même à méditer à la maison. Moi, j'ai dit, mais c'était vraiment très, très glorieux, la Pâque. Et le message que vous aviez passé. Donc, je bénis vraiment le Seigneur. Parce que le Seigneur est en train vraiment de vous amener très haut, très haut, très haut. Il ne faut pas oublier ce songe que vous aviez dit que vous aviez pris la place de passer du puissant prophète David, or là où il devait s'asseoir. Vous vous souvenez encore de ça? Oui. Oui. Oui, oui. Donc, Dieu vraiment est avec vous et vous continue de vous amener vraiment très haut. Nous sommes vraiment bénis d'être sous votre direction et papa. Donc, je bénis vraiment le Seigneur. Que le Seigneur vraiment vous garde vraiment encore fidèle. Merci. Jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Merci. Et nous sommes en train aussi de célébrer pour ce qui se passe à Venezuela. Oui. Parce que le premier jour, quand je suivais, moi, j'ai prié Dieu, j'ai dit, mais Seigneur, fais comme vous aviez fait au Brésil. Oui. Parce que il devrait prier et maintenant laisser Dieu, le Saint-Esprit agir. Donc, moi, j'ai dit, mais Seigneur, il ne faut pas vraiment que ton prophète puisse avoir la honte ici. Donc, j'ai prié vraiment moi-même. Et quand il a fini à prier, il continue de parler. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit maintenant continue. C'était
Au début, c'était petit à petit, mais après, c'était vraiment un avalanche des miracles. Oui. Donc, moi, j'ai dit non, 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 c'est vraiment grandiose. Mm. C'est vraiment très grand. Dieu vraiment est fidèle avec son prophète. Mm. Parce que nous ne devons pas oublier qu'il est toujours dans ce message du respect du Seigneur. Ce message de la sanctification. Mm-hmm. Et hier encore, c'est quand il a prêché sur Apocalypse 14, il est entré encore dans la profondeur, vraiment, dans la profondeur. Il a parlé encore beaucoup de choses que parfois, quand il prêche, il ne prêche pas de ça. Et c'est ça. Comment est-ce qu'il a commencé à décortiquer même le premier passage là, de craindre Dieu, de l'évangile éternel. Mm-hmm. Et c'est l'évangile qui a l'autorité. C'est l'évangile qui donne la vie éternelle. Mm-hmm. C'est l'évangile qui ne dépend pas de l'opinion publique. Mm-hmm. Il a insisté, ne dépend pas de l'opinion publique. Mm-hmm. C'est un évangile qui est inchangeable. Il a dit inchangeable. Yes. Il est un évangile indépendant. Mm-hmm. Moi, j'ai dit, waouh. Mm-hmm. Donc, il avait vraiment, comme je pouvais dire, il avait vraiment un fouet. C'était vraiment un fouet. Oui. Parce qu'il n'aménageait pas. Il parlait vraiment de ce que l'Église est née ici. L'Église est née ici. Mm, 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 mm. Il avait vraiment l'autorité de pouvoir prêcher ce message. Oui. Et quand il a aussi parlé du composant de cet évangile, la crainte de Dieu. Mm-hmm. Donc, il a parlé de la crainte. Ce n'est pas. Il dit qu'on ne peut pas flatter, ce n'est pas des flatteries. Mm. Il a dit, ce n'est pas des flatteries, il faut prêcher la parole de Dieu sans ménagement, sans composition. Cependant, laissez-moi entrecouper, s'il vous plaît, les femmes de ministres et les femmes des leaders ministériels qui l'ont pris à l'aéroport, elles étaient nues. Oui, oui. Mais il n'a pas changé l'évangile. Amen. Il a dit, vous êtes nus, vous devez changer votre habillement. Vous devez changer votre accoutrement. Regarde comment les femmes des pasteurs sont nues. Regarde comment l'Église est nue. Et ces femmes-là étaient là devant lui. Ah oui, amen. Continue, oui. Oui, donc, c'est vraiment... Il a dit encore, il dit, la crainte de Dieu... doit se manifester. Vous allez comprendre une église qui a la crainte de Dieu au travers des fidèles. Mm-hmm. Comment est-ce que les fidèles se comportent, comment est-ce que les fidèles se vivent. Mm-hmm. Donc la crainte de Dieu se manifeste au travers de l'église. Quand vous regardez l'église, mm-hmm. vous allez comprendre vraiment qu'ici, il y a la crainte de Dieu. Yes. Alors par rapport à ce qui se passe, ce qui est à Venezuela, ils ont vraiment écouté le message avec autorité, mm-hmm. avec vraiment autorité. Donc, c'est pour cela vraiment, je dis que j'ai béni vraiment l'homme de Dieu. Il est dans ce message. Et puis attendez avant que vous puissiez oublier ce point. Quand il a dit qu'on reconnaît une église qui a la crainte de Dieu au travers de fidèles de cette église-là, au travers de membres de cette église-là, il a ajouté, il a dit, on peut voir qu'à Venezuela, il n'y a pas la crainte de Dieu. Oui. Oui. Il a dit, on peut voir ça clairement quand on voit les membres, les gens de Venezuela, il n'y a pas la crainte de Dieu dans l'église. Amen, amen, oui, oui. Il n'a pas manché les mots parce qu'on lui a donné les cortèges, parce que les ministres, la sécurité, ou bien on lui a donné les jets privés. Ce qui prêche, c'est ce qui vit. Oui, 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 oui. Donc, c'est vraiment glorieux. Et il a parlé de la fausse grâce et la vraie grâce. Oui. Oui. Cette fausse grâce qui est répandue dans toutes les églises, comme nous disons, des cinq fois même à Venezuela, mm-hmm. par rapport à la vraie grâce. Mm-hmm. C'est lorsqu'il a parlé de ce passage de Luc, de l'homme riche. Mm-hmm. L'homme riche croyait qu'avec la grâce qu'il avait, c'est-à-dire la richesse, mm-hmm. il croyait que c'est cette richesse-là, cette richesse était la bénédiction de Dieu qui va l'amener à l'enfer. Mais il était surpris qu'il avait cette grâce qui pouvait l'amener au ciel, alors que la richesse
et l'a amené dans les séjours des morts. Donc, c'était vraiment très, très profond. Moi, j'ai dit, mais cet homme de Dieu, il a vraiment la profondeur de la parole de Dieu. Vraiment, merci beaucoup de nous avoir reconnecté avec cet homme de Dieu, que nous puissions vraiment grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Donc, c'est pour cela, vraiment, je célèbre tout ce qui est en train de se faire à Venezuela et ce que Dieu est en train de faire au travers de vous ici au sein de Venezuela, de la famille ici. C'était vraiment là ma célébration. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Pasteur Jean Mardoché. Vous êtes berger de notre église là-bas dans le banlieue de Stuttgart. Et voici le modèle à suivre. Ne changez pas le message, quels que soient les combats. Et l'homme de Dieu nous a parlé de Daniel. Oui. Quand il finissait, il a dit, Daniel, il a accepté qu'on le jette dans la fosse au lion, mais il n'a pas changé de message. Donc, ne changez pas le message. Et j'aimerais saisir cette opportunité que vous puissiez donner l'adresse de l'église. Papa Archbishop Nathaniel Banza va visiter notre église de banlieue de Stuttgart. Si vous pouvez répéter la ville, l'adresse, et l'itinéraire et la date. Oui. C'est-à-dire, c'était à Stuttgart, je vais prendre cette adresse ici. C'est dans le banlieue, parce que Stuttgart, c'est la grande ville. Nous sommes vraiment pas dans les banlieues, nous sommes vraiment presque à Stuttgart. À Stuttgart, parce que nous étions dans les banlieues, mais là, nous sommes vraiment à Stuttgart. Mais si quelqu'un veut écrire, peut-être après, je vais l'écrire aussi sur notre page. Bishop Brigitte n'a pas encore fait l'affiche. Donc, je lui ai écrit, il va me renvoyer le jeudi. OK. Donc, mettez l'affiche dans le groupe, mettez l'affiche dans les réseaux sociaux. Répétez l'adresse, s'il vous plaît. Fort Demlau, comme les Amas, numéro 8/1, c'est 70-567 Stuttgart. OK. Papa Chibishop m'a dit que la gare, c'est à quelques minutes. Oui, quand vous descendez de la gare principale, vous allez prendre le métro 6 et vous descendez à entreprise NBV, chez nous, c'est une entreprise d'électricité. OK. C'est la gare là où on peut aller à pied. Donc, à quelques... D'ailleurs, le métro passe devant même la salle. Donc, tous nos membres de l'église Ebenezer Hadassa, ministrie de l'Allemagne, vous êtes invités là-bas. Les dates, c'est? Donc, le samedi et dimanche du... mois d'avril, donc du 20 au 21. Le 20, c'est samedi, et le 21 dimanche. Le 20 avril, Papa Archbishop Nathaniel Banza, il est là dans notre église de Stuttgart. Le 20, le samedi, vous commencez à quelle heure le programme? À 14h. Le samedi, le 20 avril, le programme commence à 14h. Et les dimanches? Le dimanche aussi à 14h. Les dimanches aussi à 14h. Tous les membres de l'église Ebenezer Hadassa Ministry, vous êtes invités à descendre là-bas à Stuttgart. Et le nouveau venu aussi, venez. Nous avons maintenant l'église Ebenezer Hadassa Ministry à Stuttgart. Et nous avons comme message le message de la repentance et sanctification. Amen. Ça, c'est le meilleur moment de chercher le Seigneur Jésus-Christ avant que les bombes commencent à tomber. Détache-toi des églises là, des cinq folles. Là, on ne te prêche pas la vérité. Là, où tu n'es pas préparé pour aller passer l'éternité au ciel. Là où le pasteur met les mains dans la poche, il commence à marcher. Hein?
Il dit moi. Il n'a pas la parole. Il faut quitter de telles églises de sommeil. Viens dans cette bonne adresse, là où nous sommes en train de nous préparer et préparer notre éternité pour aller au ciel. Amen. Merci beaucoup, pasteur Jean Mardoché, que le sang du Seigneur Jésus-Christ continue à vous laver, à vous purifier de tous les esprits familiers, de toutes les réclamations de famille de votre côté, de côté de votre épouse. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ paye toutes les dettes qui vous réclament et qui réclament vos enfants. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je le déclare. Amen. Amen. S'il vous plaît, maman, je voudrais encore remercier Dieu pour mon grand frère qui était dans les soins intensifs. Maintenant, il est sorti de là. Il a maintenant une chambre et il continue maintenant de prendre les soins. Wow. Merci beaucoup de la prière. Wow. Papa Chibichop me posait la question, c'est le grand frère qui avait parlé avec Papa Chibichop ou bien c'est un autre? C'est un autre. Ok, à Kinshasa. Celui-là, c'était l'aîné, oui. Celui que Papa Chibichop a vu, c'est l'aîné? Non, non, celui que Papa Chibichop a vu, il est le troisième. Ok, d'accord. Celui qui est malade, c'est l'aîné de la famille. Créer le temps de l'aider, de le faire accepter le Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle Dieu l'a ramené en vie. Créez les temps, appelez-les, prenez Jean chapitre 3 verset 16 et 1 Jean 3, 1 à 3, qu'il puisse liser pour lui et puis dites-lui de répéter la prière d'acceptation. Et dites-lui s'il a des choses à dire, qu'il confesse ça, c'est la raison pour laquelle Dieu l'a ramené en vie. Et après, le Saint-Esprit de Dieu seul va prendre contrôle. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ continue à les localiser et le purifier. Amen, amen. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pasteur Marie Déborah qui voulait célébrer, on m'a dit que le service de guérison va commencer à 21h. Pasteur Marie Déborah qui veut célébrer. Pasteur Marie Déborah. Pasteur Marie Déborah qui veut célébrer. Pasteur Marie. Ok, vous avez la parole. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, merci. Je vous en prie. Oui, je lève le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est Dieu qui nous a aimés et Dieu qui nous a montré son amour. Et je prie à notre Dieu qui vous garde des fidèles avec notre papa. Je sais que Mireille est pas. Je sais que Banda, qui vous garde vraiment fidèles, d'aller jusqu'au bout. Amen. Jusqu'au bout, Banaka. Amen. Je dis aussi à notre Dieu, le Dieu vivant qui garde le prophète David fort, fidèle jusqu'à la fin de son ministère. Je viens célébrer pour la Pâque, maman. Oui. Comme la Bible nous dit, Psaume 133, voici, oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Yes. C'est vraiment concrètement les jours de notre célébration de Pâques. Oui. C'est vraiment glorieux. Et maintenant, on comprend vraiment la fête des Pâques. Ce n'était pas comme on était là-bas, on chantait malheureusement, mon cousin a vu que Jésus-Christ, on chantait vraiment comme ça. On ne voyait vraiment pas l'importance de la fête des Pâques pour les chrétiens. On ne voyait pas. On ne voyait pas. On allait seulement pour chanter et comme ça. Et maintenant, comment on comprend comment l'importance de la Pâque, comment notre pasteur m'a touché, il l'a soulevé, et m'avait touché aussi la message qu'il nous avait donnée des jardins. Il y a des jardins. En tout cas, comment aucune idée.
n'avait aucune idée qu'on avait des jardins. Mm-hmm. L'homme des chers et des sacrifices de Jésus-Christ. Mm-hmm. Ça, c'était vraiment nouveau, nouveau, vraiment. Nouveau. C'était vraiment nouveau. Mm-hmm. Vraiment, les sacrifices des Seigneurs, je dis que c'était la victoire sur les péchés. Hein? La victoire sur les péchés, vraiment, qui nous a fait sortir la condamnation des péchés de la mort éternelle. Mm-hmm. Et maintenant, nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Vraiment, ça m'a touché. C'est la Pâque. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment avec notre papa. Amen. Dans notre prière de chaque jour. Je dis encore merci à Dieu pour la grâce qu'il m'a fait de connaître Ebenezer Adassa, que vous emmenez, tu m'as mené à cette bonne adresse. Mm. Parce que je croyais que là où j'étais, c'était vraiment final que je vais voir Dieu dans cette église-là. Mm. Vraiment que Dieu soit loué. Mm. Je célèbre encore tous les miracles que Dieu fait dans notre église de Ebenezer Adassa, parce qu'il fait beaucoup de choses parmi nous, mm. à travers la parole, des songes, des guérisons, de la résurrection. Mm. Il fait beaucoup de choses avec l'église. Je célèbre vraiment pour ça. Parce que nous sommes conduits par des révélations, des songes. Nous sommes comme ça avec la parole ensemble et nous voyons le résultat. C'est vraiment Dieu soit loué pour notre fils et pour nos parents spirituels. Vraiment que Dieu nous protège tous. Et je viens aussi célébrer pour l'homme de Dieu mm. qui a choisi le prophète David Job. Et je célèbre encore, maman, j'ai oublié la connexion là, la connexion de notre église avec le prophète David Job. Oui. Pour nos parents, avec le prophète, vraiment, que Dieu soit loué. Mm. Parce que nous sommes vraiment connectés, connectés vraiment au ciel. Amen. Connectés vraiment. Et le jour là, on ne peut pas dire devant notre Dieu, non, on ne savait pas ça, on n'avait pas attendu ça, l'enlèvement, non! Oui, que Dieu nous aide. Et je te le fais pour l'homme de Dieu, mm. de là, pour tous les miracles que Dieu a fait à manifester. Et je célèbre encore la position de ah, ce que j'ai dit, Nanobani. Mm. Je ne sais pas, maman. Oui. La position de l'homme de Dieu, prophète David, à travers la parole de Dieu, la un message qu'il a eu. Oui. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça qui touche partout. Oui. Amen. Dieu nous donne cette force-là. Oui. Dire la vérité, de dire la vérité de la parole de Dieu. Mm. Devant quiconque qu'il soit. Oui. Devant quiconque qu'il soit. Et je dis encore merci pour vous, maman. Oui. Ce jour-là, j'ai suivi chez notre maman Didi. Vous avez dit aussi la vérité devant les dames, les mères et tout ça. J'ai dit, oh, y'a lui. Donne-moi la force. Donnez-moi la force. C'est ça que je dois faire. Mm-hmm. Maintenant, c'est l'heure est finie. Oui. Tout est fini. Dieu nous a donné. Dieu m'a donné tout. Oui. Même des bouts. Oui, parce que devant, dans les sites là, des papas Boketchou là, oh, les hommes politiques se connectent là pour le suivre. Hein? Oh. Oui. J'ai dit, maman, elle a dit ça à la maison de papa Boketchou avec les gens là. Oui. Oh. Oui. C'est là, ma. J'étais vraiment là, amen, amen, mais je, en tout cas, j'encourage notre maman. Notre maman, je vais dire, voilà, voilà le message. Mm. Et donne-moi la force. Mm-hmm. C'est ça qui compte et qui soit. C'est cette force-là, j'ai la parole de Dieu comme il faut. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, parce que tu peux avoir cette opportunité-là seulement une seule fois dans la vie. Yes. Ces gens-là, cet auditoire-là, Dieu te donne cette opportunité-là pour que ces gens-là t'écoutent. Peut-être que ça ne va plus se répéter. Non. Alors, il faut passer le message. Amen. Que le ciel existe et l'enfer aussi existe. Mm. Pour aller au ciel, voici les conditions à remplir. Amen. Et si tu ne remplis pas ces conditions-là, tu as tes faux cheveux, tu es dans l'église, tu as tes bijoux, tu as l'éclaircissement de la peau,
tu vas aller rejoindre l'homme riche dans les lieux de tourment, parce que l'homme riche était frère en Christ. Quand tu regardes, tu écoutes son langage, il dit « Père Abraham ». Donc, c'est quelqu'un qui connaissait Père Abraham. Amen. Si tu pars dans des discos là, là où il y a des païens de païens là, quand tu vas lui dire « Père Abraham », il va te dire « Oh, Père Abraham, il habite où ?» Il ne connaît pas Père Abraham parce qu'il n'est pas familier à la Bible. Mais si l'homme riche pouvait prier « Père Abraham », c'est parce qu'il connaissait la parole de Dieu. Merci beaucoup. Alors, un mot de la fin. Maman, vraiment, il y a des leçons que j'ai pris là-dedans. Oui. D'accord, mais vous avez parlé de notre bishop qui habite à Venezuela. Je n'ai pas dit. Arbet. Voilà. Oui. Attends, avant qu'on avance, pasteur Marie Déborah. Il n'y a pas seulement Arbet, il y a aussi Bishop Macharia. Oui. Toi, tu étais là les jours où on était en train de discipliner Bishop Macharia. Devant les gens. Devant les gens. J'étais avec toi là-bas au Kenya, dans la maison du puissant prophète War. Comment le puissant prophète War était en train de discipliner Macharia devant le monde. Mais Matière était humble. Amen. Maintenant, regarde parmi toutes les femmes de Kenya, c'est Matière qui est là-bas au Venezuela. Amen. L'humilité précède la gloire. Vous pensez que si quelqu'un manifeste l'arrogance envers moi aujourd'hui, si on me dit, le président Tshisekedi dit, « Maman Mireille, je vais te recevoir chez moi avec ma femme, Maman Denise. » Amène ta délégation. Je vais amener les femmes là qui sont arrogantes envers moi maintenant. Pas du tout. Sinon, tu vas aller manifester l'arrogance aussi là-bas. Je vais choisir Pasteur Marie Déborah, elle est toujours humble. Je vais choisir les femmes qui sont humbles devant les seigneurs et devant moi maintenant, qui vont m'accompagner dans cette gloire-là. Et si je prends cet exemple banal, je focalise ça maintenant l'enlèvement de l'Église. Ce sera la même chose avec l'enlèvement de l'Église pour entrer au ciel. Les arrogants, batunalolendo, ils ne vont pas être glorifiés. Sois humble dans ton foyer, dans ton mariage, devant ton partenaire. Sois humble dans ta famille. Sois humble là où tu travailles. Sois humble à l'école. Et je remarquais la plupart des gens qui sont arrogants envers nous, là où ils travaillent, ils ont toujours des problèmes avec des collègues. Et dans leur famille, ils ont toujours des problèmes. Que cette célébration puisse nous changer, nous tous. Et un mot de la fin, Pasteur Marie Déborah. Un mot de la fin, je suis sûre que Dieu nous aide à cette bonne adresse parce qu'on a tout à la main. On a tout à la main et que les saints de Dieu nous donnent la force. La force, moi, la première, d'évangéliser et dire la vérité comme il faut à la parole de Dieu. Ce n'est que la repentance qui est la force de toutes choses, la richesse de la vie. Ce n'est que la repentance. Et puis, c'est la repentance comme il faut voir. C'est ça. C'est le fait que Dieu nous aide tous. Il nous aide tous vraiment à mettre la parole en pratique et de travailler comme eux, de prendre l'exemple de nos parents. Voilà. C'est ça que j'ai. Merci. Merci beaucoup.
Que Dieu vous bénisse, Pasteur Marie Déborah, que le sang de Jésus vous lave. Shalom, shalom, Maman Lucie. Shalom, 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 shalom. Maman. Milei Banza, Galula Chilumba. Oui. Shalom. Shalom, Maman Lucie, Tozo Yokayo, cinq continents. Merci beaucoup. Maman Lisi, moi, je suis allé quitter sa mongongo radio si manayo kuna mama. Ah, Zela. Ah, na kiti si. Ok, tozo yokayo. Na parole au pesingai. Merci mingi, maman, jamba pambola yo. Oui. En tout cas, maman, na yoko seble kaka pona makambo ya paki. Makambo ya paki, ndenge paki salemaki, ndenge lekaki, bisoto bandaki kolandango, na se ya ba trouble ya maladi oyo kwa otina kati ya ndako ya mbutu kimadia. To continue, mama, tozo yoko kana lingala, poto gagne temps. Nasima. Aha. Yango ana, na yeko seblepo na yango. Na seblepo na makambo ya paki, ndenge le kaki, ndenge sukaki. En tout cas, na to sepela ki makasi, to banaye kolanda ngo kaka na TV. Okiti si mongongo kuna nyonso na sima mama lisi ou bien oza komi yo kalisusu. Na non, mais yo kana kitisi. Komi yo kate mama poto gagne temps. Toki. Yango wana, na ye ko seble. Ah. Na moni keta e komi mokuse, moyena landa mingi mingi zate, na seble po na mama vivada, na seble po, na pastele me solei, yango wana. Pramedingonda. Na celebre pona ye. Pramedingonda. En tout cas, nzambe asali ya minene. Amen. Oyo moto ya mokili ya koki ko sala yango te. Amen. En tout cas, yango na ye ko celebre. Amen. Ya suka. Na celebre kaka pona libota oyo ya ngai awa. Oto masambo mosusu, oto manaji kokota kota kana basengi fo, mota kukati kosala likambuana azate, kasi, to yeko simba, motema ya nzambe. Mamozo landa susu kuna na sima na yo, okoko kangate? Kanga nyoso kuna na sima kasi. Kanga mongongo wana nyoso. Sikayolo baka bipa yoyo. Sikoyo, yango wana na eko sebeli susu kwa nandako, o ya kimpaka akulode na mama nikleti.
na mama ni kati maladi ndenge kota ke bandi na mwana o ya mwasi ndenge to sala kalo samba wa mukola ya poso nyoso mara na ba mataka ngomba abali akate banda tongo ki 13 après maye koli abana to sambela kaka to sambela kaka na mona kaka mwana abandi kolenga soka sali ya lengi akakasia ngarobi a ni crete tala mwana ndenga usala ni crete alobia yaya tika kolanda makambo wana to sambela kaka akobika apesi ye bible mwana bandi kotanga bible akolenga mama na biso mwana olenga ngana oko kate soki natali ka mwana a miso ya mwana keli kolo ni crete tala mwana ni crete alingiko kipete alobia sima kaka bible akobika kaka na bible wana asivi bible ti epo sisa losambo esili mwana ndenge moko nalala boye na moni na loti ni crete aolela lobi natikali kaka na bana na ngai oyo na kosala ndenge nini na situki lobi ni crete ngai na loti mabe tala ndenge olela o mwana na ngai ngai lobi likambo oyo otika yango te ata yolo bato tobenga mama te todela nde ete benga ta papa yebisa ye na omona mpe miso na ngai abi ete olenga kaka miso nyonso mibale mama ni crete alingi te okodela nje bango nga lobi na boyi te mama likambo ya boye yebisa kaka namoni kaka osala letal nga nabengi papa nabengi papa nayebisi ye ale kuna papa kolode pu mbala moko maladi ya mbala kata ake hopitalo lelo ake hopitalo bake osala ye operatio na loboko atinda message boye papa na hopitalo hehe elekeli biso na kati ya ndako lelo abimaki toyebaki te alezwi ngai moko nga lobi likambo ya boye nakoki kotika te papa moni nano message wana tale natindi message mpa na yo nga lobi mama tala boye oya ngai kutu bato wana ya hopitalo babengi mbangu balobi mama lisi toa na bezo okoma awa lobi toa na bezo na yo mayele esili ngai kaka ye papa kolode na ba maladi na ye wana mbala moko totelemi tobandi kotambola na ye ni crete biso misato lele bana bakei grasi tokei na biro kuna babandi kolakisa biso titititi toyekozonga totala mukete babengi na ekole oboya kozwa bana na bino ba maladi mama esisinga mayele natala boye yoyekobenga lele yoyekobenga oyebisi otuni ngai nga abi mama ndenge kaka natindeli yo message wana awa mwaye te lobi balobi nakende bakende kosala nga operatio wana ekoleka na 12 obandi kokamwa olobi likambo nini oyo maladi ya minene na kati ya ndako ngabi mama nayebi te nzambe kaka asembola loboko olobi na ngai landa priyere nabandi kolanda priyere ti osukisi esili na vandi nayebisi ni crete lisusu ngabi ni crete landa makambo oyo yebisa mama naomona kimia te miso na ngai awa ndenge yakolenga yakobeta yokangama naokoka te oyo eya mabe makambo oyo moko eye kozwa grene mama lisi na ngai natuna makambo oyo ya kotinda mbongo kosala cimetiere ya mwana oyo ya mobali esengelaka botinda otindaka natindaka
Ok. Eh, la tindaka, na yoko bondela papa asali lo sambo, na tindi, basi lo asala kala. Kasi mwone, nga na peki sa ki yonga abiko, tinda mbongo te bazo lukande mutu na yoko toyo. Mwone siko nengenda kweni ngani? Ah. Mwone nengenda kweni ngani? Aha. Bango bakene kokunda mutu mususu. Ah. Siko bake ko leka koto yo babi yo bake ko mona simetere ya mwana na wa kufa kala. Mbula boni. Siko yo esali neva. Mutasa kufa neva kala. Bango bazo singo mbongo siko yo po bongisa la e simetere. Ngai na solo laki na yo. Na lobaki kotinda mbongo te. Molimo neza susu wana te. Basi bakunda ye kala 9 ans omoni siko ndenge nda kweningani koto na États-Unis mama nangai libisa nzamba limbisa yo boli bisangai bakende ki ba bato mingi te bakende ki kaka mosi ya kamengele mama nangai ya liboso sili problème na ki famite problème moko na boti problème eza kaka problème problème eza kaka lokola mbonge uta kia wa na États-Unis pa na yo. Ekei kuna kosala cimetière ya muta sa kufa mwana sa kufa 9 ans passé. Omoni siko nenge nini liwe koti koto na États-Unis na ndako. Tala tango zolo ba moli mo santo ibisinga tuna ye makambo pe kisa ki eskato sa kio. Nabaneki Zama limbisa. Kasi tika sika wa lokola ngonge sili tokomi kaka 16 heures yango yo na kati ya 15 minutes 16 heures yango yo lokola esengeli to landa pe service a guérison oyo prophète akosala na Venezuela. Lokola na sosoli sikoyo porte fungwa makinde na makambo yo. Tika na senga maona nzambe kitakati na bomo inayo mama lisi. Zamba limbi sa yo, alimbi sa papa Claude, alimbi sa mama Niklet. Alimbi sa bana. Makila na Yesu masie peto la bino. Makila na Amen. Yesu masie sopa na na ba mvutement nyonso utaki kuna na cimetière sika bakendaki kobongisa cimetière ya mwana akufa kala mbongo tindaki makila na Yesu masie bimisa esprit de mort wana na kati ya ndako na bino. Amen. Na kombo na Yesu Kristo na nzela celebration oyo. Tika molimo santu a continuer kose kwi sabino nyonso tu na kati na ndako na kombo na Yesu Kristo. Na kangi molimo na kufa oyo na bimisi yango na kati ya ndako na bino kende na bisika bizangi bato na kombo na Yesu Kristo pe na bimisi mama Niklet na Glenn na hôpital na kombo na Yesu Kristo papa Claude bika na kombo na Yesu Masia yo moko pe bika. Mwana nzambe kita na bomo inabino na kombo na Yesu. Amen. 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 Gloire à Dieu, bien-aimé. Nous terminons cette célébration d'aujourd'hui. À partir d'ici, la Bible dit dans Jean chapitre 14, Jean chapitre 14, je vais lire le verset 6 à 7 pour clore. J'ai vu un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Un autre, un second ange suivit en disant, elle est tombée,
Babylone est la grande qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. Je continue la lecture. Verset 9, Apocalypse 14, verset 9. Et un autre, un troisième ange le suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance de saints qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux d'eux à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres le suivent. » Bien-aimés, je vais clore cette grande célébration par ce message de l'Évangile éternel, les remplacements de la chair, les remplacements de pulpit. La chair en anglais, c'est pulpit. Cette grande vision que l'Éternel Dieu a montrée au puissant prophète de Dieu, Dr. David Huor, Dieu l'a amené au ciel. Et depuis le ciel, il était de côté gauche, là où il y a la chair. La chair, c'est là où on dépose la Bible pour prêcher. Et il a vu, il y avait une chair luxueuse en matière de vitres, mais qui était déjà fissurée. Et du coup, il voit une autre chair en bois qui descend du ciel rapidement. Et la voix de l'Éternel, Dieu le Père, lui dit de prendre la chair en bois, de remplacer là où il y avait la chair en vitre. Et quand il tient la chair en bois, il sent qu'il y avait les mains de Dieu dans ses mains, les doigts de Dieu dans ses doigts, qui était en train de l'aider. Et quand il retourne comme ça, là où il y avait la chair en vitre luxueuse qui était déjà fissurée, qui était déjà cassée, il voit que cette chair-là a disparu en un clin d'œil. Et les mains de l'Éternel Dieu le Père, avec les mains du puissant prophète de Dieu, Dr. David Huor, ensemble, étaient en train de fixer, de remplacer la chair en bois là où il y avait la chair luxueuse. Et il s'est réveillé, il est sorti de cette conversation. Et l'Éternel Dieu a commencé par l'aide du Saint-Esprit de Dieu à le faire comprendre qu'est-ce que cela veut dire au travers de la parole de Dieu. La chair luxueuse qui est fissurée, qui est cassée, la chair luxueuse en vitre représente le message de la prospérité, le message qui circule présentement dans toutes les églises, que ce soit dans l'église américaine, dans des églises américaines, que ce soit dans des églises européennes, que ce soit les églises africaines, que ce soit les églises asiatiques, que ce soit dans les églises de l'Océanie, où nous trouvons la nudité dans l'église, où nous trouvons les péchés sexuels dans l'église, où nous trouvons l'idolâtrie dans l'église. Et la chair en bois représente le message de la repentance et sanctification, le message de la croix du Seigneur Jésus-Christ. La chair en bois représente la croix du Seigneur Jésus-Christ qui était en bois
et le sang du Seigneur Jésus-Christ qui est représenté par la chair en bois. Et c'est ce message-là que l'Éternel Dieu veut que nous tous, les cinq continents, nous puissions prêcher. Quand tu es en train de prêcher ce message de la crainte de Dieu, le message de se débarrasser des objets du diable, le message de changer son accoutrement, de s'habiller décemment, tu es en train de remplacer la chair qui est cassée. Et nous voyons la composition de ce message. Le nom de ce message, c'est ce que nous trouvons ici dans Apocalypse chapitre 14. C'est ce message que l'apôtre Jean a vu. J'ai vu un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel. L'ange qui est venu de la part de Dieu, qui volait au milieu du ciel, cela veut dire sur cette terre là-bas en haut. Il avait l'évangile éternel. L'évangile éternel, c'est ça le message de la croix et le sang du Seigneur Jésus-Christ. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Et nous voyons cela maintenant devant nos yeux. Ici, là où je suis en train de prêcher, il y a plusieurs nations ici, il y a plusieurs tribus ici qui est en train d'écouter ce message. Excusez-moi, nos bien-aimés qui sont sur le Facebook Adassa Prière en ligne. La batterie de téléphone est déchargée. Je vais couper, veuillez m'excuser. Connectez-vous sur YouTube ou bien au téléphone ou bien à la radio ou soit sur Archibishop Mireille Adassa Facebook. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Un peu de patience. Un peu de patience, je vais terminer. Je suis en train de faire les résumés. Je viendrai tout le temps avec les résumés de ce message pour nous aider à comprendre. Alors, l'ange qui avait l'évangile éternel, le nom de ce message que l'Éternel et Dieu veut que nous puissions prêcher, ça s'appelle l'évangile éternel. Pourquoi l'évangile éternel? Parce que ça a commencé depuis l'Ancien Testament, depuis la fondation du monde. Tous ceux qui sont venus parler de la part de Dieu, ils avaient un seul évangile, c'était l'évangile de... Nous allons voir la composition. Qu'est-ce que l'ange disait à toutes les tribus, à toutes les nations, à toute langue et à tout peuple? Au verset 7, l'évangile éternel est composé, il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu ! Et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Voici la composition de message que Dieu veut que nous puissions prêcher. Nous devons prêcher la crainte de Dieu. Nous devons amener les hommes et les femmes à craindre Dieu. Nous-mêmes, nous devons pratiquer cet évangile éternel. Nous-mêmes, nous devons vivre dans la crainte de Dieu et prêcher la crainte de Dieu. Tu ne peux pas prêcher la crainte de Dieu si toi-même tu ne vis pas dans la crainte de Dieu. Si toi-même, tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, tu
Tu peux commencer et puis après, le diable va fermer ta bouche. La composition, l'évangile éternel est composé de 1. Craignez Dieu. 2. Donnez-lui gloire. 3. Adorez-lui seul. Nous venons d'écouter Maman Lissi, que Dieu la bénisse. Faites attention avec nos membres de famille. Maman Lissi, moi j'étais au Kenya. J'ai vu Maman Lissi qui me téléphonait, qui me téléphonait, qui me téléphonait. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je suis au Kenya. J'étais encore au cours de théologie. Maman Lissi qui m'appelle. Oh, Maman Archbishop. Maman, pardon, pardon. Je veux que vous puissiez prier pour moi. Il y avait l'un des membres de famille qui était décédé au Congo. Les gens qui sont allés enterrer, ils lui ont dit que quand on passait comme ça, on a vu le cimetière de votre fils. Parce que Maman Lissi n'avait qu'un seul fils de son ventre qui est décédé. Il y a 9 ans passés, comme elle vient d'expliquer. Oh, le cimetière est abîmé, envoie l'argent, on va aller faire la tombe pierre tombale, arranger. Moi, j'ai dit à Maman Lissi, non, 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 ça c'est un piège. Regardez, vous avez toujours des combats multipliés. Depuis que vous êtes venu aux États-Unis, on cherche à vous tuer. Les hospitalisations multipliées, des maladies multipliées, n'envoyez pas l'argent, c'est un piège. Les gens qui sont là-bas en Afrique ne chercheront jamais ton bonheur, toi qui es venu aux États-Unis. Tu es aux États-Unis, tu es dans la maison de ta fille est mariée, ta fille a des enfants. On a discuté avec Maman Lissi, j'ai dit non, 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 je ne prierai pas pour ça. D'ailleurs, ne m'appelez plus pour ce genre de choses. Ça, ce sont les envoûtements. Elle ne comprenait pas, ça m'a mis même dans la colère. J'ai dit, Maman Nicolette, arrêtez de m'appeler avec ce genre de choses. Vous êtes pendant des années dans ce ministère. Vous ne pouvez pas comprendre que ça c'est un piège. Ils cherchent une porte d'entrée. Comme vous avez jeté des mèches des pantalons, vous êtes réconciliés, le mariage à moitié n'est plus dans la maison. Maintenant, ils cherchent une autre porte d'entrée. Et à mon insu, c'est aujourd'hui, c'est maintenant devant vos yeux que j'apprends qu'ils avaient téléphoné Papa Archbishop. Et elle a envoyé l'argent. Voici maintenant là où nous sommes. Je me posais la question, mais j'ai vu Papa Claude mourir. Qu'est-ce qui se passe? Et dans ces rêves-là, j'avais vu Maman Lissi de l'autre côté. Vous savez, des fois, je viens annoncer les rêves, mais je n'ai pas le temps de donner les détails. Ça tournait dans ma tête. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Papa Claude hospitalisé. Maman Nicolette a fait l'AVC. Maintenant, elle est presque paralysée. Maintenant, tous les 3 enfants malades et Maman Lissi elle-même aussi, vous avez écouté comment elle est partie à l'hôpital, on a opéré au niveau de la main pour chercher des veines. J'ai dit, toute la maison, qu'est-ce qui se passe? Et ça nous bénit parce que vous êtes là nombreux qui font ce genre de choses. Je me rappelle encore Maman Brigitte Matondo, la maman de ma gloire. Elle est venue aussi ici en ligne pour se repentir. Elle n'avait pas d'argent pour donner la dîme. Mais quand on l'a téléphonée, on lui a dit « Envoie l'argent, on va aller faire les cimetières. » C'était les cimetières de l'un de ses parents. Elle a envoyé l'argent et ça a mené beaucoup d'envoûtements ici chez elle. Et je pense que ça n'a pas traîné, c'est son père qui est décédé après.
Bien-aimé, quand quelqu'un est déjà mort, séparez-vous de ces choses-là. Si vous aviez eu le temps de faire le cimetière de quelqu'un pendant que quelqu'un est décédé, gloire à Dieu, ce n'est pas un péché. Mais si c'est déjà passé, vous n'aviez pas eu le temps de faire le cimetière au mausolée, ne retournez plus dans ces choses-là. Je sais que le verset 8 nous dit ici, le verset 7 d'abord nous dit, sachez qu'à l'heure de son jugement est venu. Dans l'évangile éternel, nous devons annoncer aux hommes et aux femmes que l'Éternel est Dieu juge le péché. L'Éternel est Dieu juge l'idolâtrie. Ça, c'est l'idolâtrie. Tu aimes tellement ce membre de famille-là qui est décédé. 9 ans plus tard, tu retournes encore là-bas pour aller faire les cimetières. Ce monde ici, ce n'est plus comme c'était dans l'Ancien Testament. Ce monde ici, le diable s'est infiltré partout. C'est pourquoi nous devons être comme les bergers. Le berger, moi, ma petite sœur Sylvie qui est aux États-Unis, il n'y a pas longtemps, elle m'a contactée aussi pour ce genre de choses. Oh, si on peut aller faire les cimetières des mamans Mbelou, j'ai dit, ah, tout l'argent là que toi tu avais, ici l'église a envoyé l'argent. Papa Étienne Tshisekedi, quand ma mère était membre de l'UDPS, a donné l'argent là-bas, t'as donné l'argent pour l'enterrement des mamans. Tu n'avais pas fini toute chose? Maintenant, si c'est combien d'années plus tard? Ça va faire combien? 12 ans, 13 ans? Tu me dis qu'on va aller faire les cimetières. Je dis, à Pana, moi je ne suis pas dans ces choses-là. Tu avais l'argent. L'argent était resté, même ils ont cherché mon petit frère. On cherche Chris Emmanuel pour lui donner l'argent qui est resté. Chris Emmanuel a dit, non, moi je ne prends pas l'argent là. On cherchait qui donnait l'argent qui était resté. Papa Chibishop a dit, il voulait envoyer l'argent ici. J'ai dit, non, moi je ne prends pas l'argent là. Non, l'argent qui est venu chez papa Étienne Tshisekedi pour enterrer ma mère, non, je ne prends pas l'argent là. On cherchait qui donnait l'argent. Papa Chibishop a dit, mais donnez votre grand-père, non, il est là. Comme on a fait venir notre grand-père de village pour enterrer sa fille à Kinshasa. Et on a pris cet argent-là, on a donné au grand-père. Maintenant, 13 ans, 12 ans plus tard, ma petite sœur vient me dire qu'on doit aller faire le cimetière des mamans. J'ai dit, ah, mais ça c'est la sorcellerie. Vous aviez l'argent là-bas, on cherchait qui donnait l'argent. Tu n'as pas fait les cimetières, tu n'as pas tout fini. Non. Là, vous cherchez ma tête. C'est ma mère qui m'a mis au monde, mais je ne mets pas ma tête dans ces choses-là. Regarde comment le monde des ténèbres est organisé. Et puis, vous tombez dans ce genre de choses. Vous tombez dans leur piège. Dieu juge ce genre de l'idolâtrie. Regarde maintenant toute la maison défile à l'hôpital. Que le Saint-Esprit de Dieu renouvelle notre intelligence. Que nous puissions vomir les sentiments des familles. Répétez cette prière. Je ne peux pas continuer parce qu'il est 16h10. On doit se connecter à l'intercession. Nous avons besoin de la prière. Soyez connectés demain jeudi. Demain jeudi, miracle, nous allons continuer. Et n'oubliez pas de se connecter à 21h d'ici au service des guérisons au Venezuela. Là-bas au Venezuela, ça sera 15h et ici, ça sera 21h. Mettez le message dans le groupe pour tout le monde de Bishop Stanley. Soyez bénis de nous donner toujours l'information à la page.
Mais maintenant, je vais vous conduire, vous tous, à la prière de la repentance. Beaucoup de gens vont acheter la mort eux-mêmes. Beaucoup de gens s'attirent la colère de Dieu eux-mêmes. Beaucoup de gens ouvrent la porte à l'ennemi eux-mêmes. Parce que je n'ai pas laissé Maman Lucie continuer à cause des temps. Les microbes qu'on a trouvés à Glen, à l'office aîné de Papa Claude et Maman Niclette, le microbe là, ce sont les microbes qu'on trouve en Afrique, au Congo RDC. Ils ont dû faire recours à l'hôpital tropical des États-Unis. Le médecin qui savent traiter les microbes de l'Afrique. C'est eux qui se sont mis ensemble pour chercher quel genre d'antibiotiques il faut mettre dans la vie de Glenn, l'enfant de Papa Claude et Maman Niclette. Les microbes qu'on trouve au Congo RDC, l'enfant n'est pas parti au Congo RDC. Ni le père, ni la mère. Mais l'enfant vit aux États-Unis. Comment il a pu attraper ce microbe-là de l'Afrique? Papa Chibichop m'a posé la question. Moi, je lui ai dit, mais c'est clair. C'est parce que la sorcellerie est venue de l'Afrique. C'est clair. Craignez Dieu et donnez gloire à Dieu. Ne donnez pas gloire aux morts. Adorez-lui seul le créateur des cieux et de la terre. N'adorez pas les morts. Oh mon fils, nalinga ki mwanananga mingi, mwanananga, il faut naceler la cimetière. Maintenant, regarde combien de cimetières sont entrés maintenant dans la maison aux États-Unis. Et toi qui gardes encore les mèches et les faux cheveux. Ce sont des cimetières que tu gardes dans ta maison, de boucles d'oreilles, de hauts talons de 15 cm, de 10 cm, de rouge en lèvres de Madame Jacqueline. Ça, c'est l'idolâtrie. Nous voyons comment l'Éternel est Dieu, l'ange, le troisième ange et un second ange suivi en disant, elle est tombée, Babylone est la grande. Qui a abreuvé toutes les nations divines de la fureur de sa débauche. Et un autre troisième ange le suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. » Si quelqu'un adore la bête, ce genre de pratique ici, c'est adorer la bête. Mettre les faux cheveux, porter les habits qui montrent les corps, c'est adorer la bête. Mettre les boucles d'oreilles, mettre les maquillages, c'est adorer la bête. La colère de Dieu sera sur toi. Ce jour-là, Maman Lucie m'a supplié, pardon, pardon maman, ça ne sera pas beaucoup d'argent, prie seulement, je vais prendre un peu d'argent, ils vont seulement faire quelque chose de simple sur le cimetière de l'enfant. Regarde là maintenant, le cimetière est venu maintenant à la maison aux États-Unis. Répétez cette prière après moi, dites-le miséricordieux. Je reconnais que j'ai adoré la bête. D'une manière ou d'une autre, dans mon langage, dans mon caractère, dans mon accoutrement, là où j'ai envoyé l'argent, je me répands de tout mon cœur. Je renonce à toute forme de l'idolâtrie. Par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je vomis les sentiments des familles dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ.
J'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois, Seigneur Jésus-Christ. Entre dans mon cœur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Lave-moi, Seigneur Jésus-Christ, par ton sang. Inscris mon nom dans les livres de vie. Que je ne rate pas mon éternité au ciel. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je renonce aux esprits des morts. Je sors dans les cimetières. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, cher Saint-Esprit de Dieu, renouvelle mon intelligence. Cher Saint-Esprit de Dieu, ressuscite ma vie. Comme tu ressuscitas le Messie d'entre les morts. Dans le nom puissant, le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je déclare aujourd'hui, je suis né de nouveau. Amen, amen, amen. Pousse des cris de joie, pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie pour célébrer cette nouvelle naissance. Gloire soit rendue à notre Dieu. Père de bonté, je viens te recommander quiconque vient de renouveler son alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, quiconque vient de répéter cette prière avec un cœur sincère. Père, étends ta main, pardonne-nous, Seigneur. Nous sommes des pécheurs, nous avons des faiblesses. Nous ne sommes que poussière. Éternel, pardonne-nous. Pardonne maman Lucie. Pardonne papa Claude. Pardonne maman Niquette avec tous les enfants. Pardonne Seigneur quiconque est connecté, qui a ouvert la porte à l'ennemi d'une manière ou d'une autre. Seigneur Jésus-Christ, je plaide de la pluie de ton sang. Les sangs qui a coulé sur les calvaires, les sangs qui crient plus fort que les sangs d'Abel, que ton sang inonde toutes nos maisons, que ton sang inonde la vie de maman Lucie, toute la maison de papa Claude et maman Niclette et leurs enfants, les sangs de Jésus-Christ les rachète. Là, on est allé les enterrer déjà en Afrique. Le sang de Jésus-Christ les déterre. Le sang du Seigneur Jésus-Christ déterre quiconque on a déjà enterré. Par le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ sanctifie et délivre tous les enfants, les adultes, les jeunes filles qui sont initiées dans la sorcellerie, dans l'occultisme. Que le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha les libère. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, donne à chacun de nous la force de prêcher l'évangile éternel, de vivre l'évangile éternel,
afin que personne ne rate son éternité au ciel. Je bénis l'intercession des 16 heures. Je bénis l'intercession des 19 heures. Je bénis les programmes de Gotel Dem à 22 heures. Que le sang de Jésus-Christ inonde les services de guérison à Venezuela. Cher Saint-Esprit de Dieu, donne la force aux puissants prophètes de Dieu pour ministrer. Éternel, multiplie encore des guérisons. C'est par le nom puissant, le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Tu mets ta main sur ta tête, répète après moi, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai le merveille de l'Éternel. C'est par les noms glorieux, les noms puissants de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que je le déclare. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, Toda Rabba. Connectons-nous à l'intercession. Shalom, shalom, shalom.